Salut, bonjour à tous, bon réveil sur Canal 3 Bénin. Merci de prendre ce rendez-vous matinal sur Actu Matin. Nous sommes vendredi en débat, l'âge en relation d'amour. Il est dit que la maladie d'amour court de 7 à 77 ans, référence faite à ce célèbre tube à succès de Michel Sardou. Ils ont 5, 10, 20, 25, voire 30 ans d'écart, mais cette différence d'âge ne les empêche tout de même pas de se mettre ensemble pour construire une relation face à ce regard interrogateur et critique de la société qui ne comprend justement pas pourquoi. Les uns sont à la recherche de partenaires jeunes, les autres de personnes plus âgées pour des raisons diversement variées. On sait pourtant que l'âge est important parce qu'il est une source de respect. Nous irons ce vendredi à la rencontre de ces couples qui se forment sans véritable tenir compte de la différence d'âge qu'il y a entre qu'est-ce qui, selon vous, peut expliquer cette mise ensemble? L'âge doit-il être le déterminant en matière de relations? Sinon, y a-t-il des intérêts inavoués et à quel avenir est voué ce type de relation? C'est autour de cela que nous échangerons ce matin avec vous. Au téléphone, à l'heure du débat, ce sera à partir de 7h45 minutes. Prenez donc le rendez-vous. Dans l'actualité ce matin, le chronogramme établi est bien respecté. Il a été décidé de la date du 1er avril 2022, dernier délai pour pourvoir à la désignation des secrétaires exécutifs des communes. Ceci en application de la loi portant code de l'administration territoriale en République du Bénin. Eh bien, c'est fait depuis hier. Les 77 SE sont connus. Ils sont 26 femmes et 51 hommes tirés au sort au terme d'un processus empreint de transparence à la satisfaction des maires présents. Vous les entendrez dans notre bulletin matinal, ce sera avec William Clican. Mais avant, vous aurez la grosse lecture de la presse ce matin avec Wahab Ali Kbara à la une des journaux. Vendredi, culture, un grand homme de la musique béninoise. Déjà, dans la première heure, vous le découvrirez puisqu'il participera à la discussion au forum de son nom, Herman Logozo. Faux Logozo est artiste, chanteur, auteur, compositeur. Il est un membre du célèbre groupe de rap béninois Ardiers Posse. Il a son style de rap puisqu'il chante en langue fongbé, très apprécié du public. Des années 94-95 à aujourd'hui, notre feedback sur la carrière de l'homme, lui qui ne cesse toujours dégayé de par sa musique. Restez avec nous, Actu Matin, c'est ici et maintenant. On va prendre les prévisions du temps puisque ce matin déjà, au sud du Bénin, le temps est un peu bizarre. Merci.
chers clients, partenaires et abonnés du groupe de presse Fraternité. Pour toute commande et information relative à nos produits et prestations à Fraternité FM, Fraternité, Canal 3 Télévision, appelez les numéros suivants aux heures et aux jours ouvrés. 95 74 29 23, 95 74 29 25, 97 77 33 02, 96 61 13 30, 69 17 99 99, 69 23 55 55, 61 62 12 02, WhatsApp. Email canal3benin@yahoo.com, info@canal3television.com, fraternitefm@yahoo.com, fraternews@yahoo.com. Oser croire, célébrer. Vous l'espériez, il est enfin là. Envie de gagner des millions? Va sur onesbet.bj pour créer ton compte. Fais ton dépôt via MTN Mobile Money ou Move Money. Place tes paris pour te faire plein de gains. Onesbet, les paris pour tous les goûts. Pour votre plaisir et celui de vos enfants, la découverte des trésors royaux et de l'art contemporain du Bénin se poursuit avec l'atelier de pratique artistique. Public et gratuit pour vos enfants de 4 à 12 ans, c'est tous les samedis et dimanches à l'espace animation de l'Expo Art du Bénin, de 10h à midi et de 14h à 16h à intervalle d'une heure par atelier. Inscription à l'accueil ou au www.expoartbénin.bj/atelier-pédagogique. Renseignements au 00 229 56 98 10 82. Et voilà, retour plateau. Dans un instant, vous aurez les gros titres de la presse, comme tous les matins d'ailleurs, avec Wahab Ali Kouara déjà installé. Bonjour Wahab. Bonjour Christian et bonjour à tous. Voilà, juste après la une des journaux, ce sera le bulletin matinal de William Cliquin. Et dans les titres, l'actualité des noms auxquels vous serez désormais habitués, Isabelle Aimé Hessou à Porto Novo, Ali Rossi Rennes à Coparco, ou encore Nestor Manon Woman pour la mairie de Cotonou, et la liste s'allonge, hein, aux 77 communes du Bénin. Les secrétaires exécutifs des mairies ont été tirés au sort hier au palais des congrès de Cotonou. Le ministre du plan et de la coordination de l'action gouvernementale a conduit l'opération, puis de l'expertise de la loterie nationale du Bénin. Retour sur cet événement dans notre bulletin matinal. Et puis à Djougou, Monseigneur des Clairvaux Tocha a foulé le sol de cette ville. C'était sous un accueil chaleureux des habitants de la ville de Djougou. La mairie a organisé cette cérémonie officielle par le maire en personne pour souhaiter la bienvenue au prélat, à suivre dans notre mini-journal les temps forts de ce moment. Allez, restez avec nous tout de suite, la une des journaux. La presse nationale dans sa livraison revient donc sur cet événement qui a marqué les esprits, je dirais, hier avec l'entrée en vigueur de cette réforme sur l'administration territoriale en République du Bénin, la désignation des SE. Wahab Ali Kouara. Oui Christian, donc déjà vous avez tout dit. Et donc on va commencer par le quotidien Maison Fraternité qui, bien entendu, comme d'autres parutions, reviennent sur cette actualité. Le quotidien Maison donc qui titre « Fonctions techniques et administratives dans les communes, aboutissement d'un processus couronné de transparence. La liste des 77 secrétaires exécutifs et leurs communes respectives des maires apprécie la réforme et la portée de l'événement. Début du jeûne Ramadan, tout sur le quatrième pilier de l'islam. Une information donc à découvrir dans les colonnes du quotidien Fraternité. Qatar 2022, tirage au sort des poules ce jour vendredi. À la une du quotidien, le potentiel détournement de fonds Covid à la mairie d'Adiaweré, élus communaux, cadres, agents de santé en garde à vue. Et puis recrutement au poste de SE dans les mairies, 26 femmes et 50 hommes tirés au sort.
Les quatre vérités réformes dans le secteur de la décentralisation au Bénin, liste des secrétaires exécutifs des 77 communes retenues après tirage au sort hier au Palais des Congrès de Cotonou. Semaine de l'énergie électrique au Bénin pour mieux faire connaître le secteur au public, annonce Donna Jean-Claude Oussou, ministre en charge de l'énergie au Bénin. Le quotidien de service public La Nation. Tirage au sort des secrétaires exécutifs des communes. Acte 2 de la décentralisation. Les maires apprécient, nous apprend le journal. Et puis, ministère des petites et moyennes entreprises. De nouveaux défis dans le plan de travail annuel 2022. Défi info à présent. Présence remarquable des femmes parmi les secrétaires exécutifs tirés au sort hier au Palais des Congrès de Cotonou. Claudine Prudencio remercie le président Patrice Talon pour avoir valorisé la femme. Et puis choix du PDT Talon, n'est-ce pas, pour présider, du président Talon, j'allais dire, pour présider aux destinées de l'UOMOA, le CA Christophe Aïssi s'en réjouit et félicite la diplomatie béninoise. Quotidien Le Radar. Avènement des secrétaires exécutifs des mairies. Patrice Talon active le talisman. Top désormais à la vitalité de la gouvernance locale. Le journal qui donne à lire dans ses colonnes la liste des 77 secrétaires exécutifs tirés au sort hier à Cotonou. Quotidien L'Informateur. Malgré les répressions, la criminalité semble ne pas reculer. Puis réforme dans la décentralisation, zoom sur les secrétaires exécutifs désignés. Le journal qui donne à lire les noms tels que Yacinthe Elegbédé au niveau de Parakou. À Cotonou, on parle de Nestor Bossou. À Porte-Nouveau, Isabelle Aimé Essou. À Boumekalavi, Floride Laourou. Candy Antoinette Aodi. N'est-ce pas, à Malanville, Olivier Loukoutoui et compagnie. Législatif 2023, les dispositions et les dates clés. Également à retrouver dans les colonnes du quotidien L'Informateur. Le matinal à présent, mise en œuvre de la réforme de la décentralisation. Les 77 secrétaires exécutifs des communes tirés au sort hier. 34% de femmes retenues. Impression de quelques maires également retrouvées dans les colonnes du quotidien Le Matinal. Voilà, Christian, tout rapide, hein, des parutions ce matin, essentiellement dominé par l'actualité du moment, notamment le tirage au sort des secrétaires exécutifs dans les différentes mairies du Bénin. Le quotidien Fraternité, donc, qui titre « Fonctions techniques et administratives dans les communes, aboutissement d'un processus couronné de transparence ». Voilà, et c'est là le tribunal national du Bénin qui a donc été invité pour son expertise pour procéder donc à ces tirages au sort. Il faut rappeler que le mécanisme est fait de sorte que certains maires ont tiré des hommes et d'autres des femmes pour le poste de secrétaire exécutif, et puis le comité de supervision de la réforme a prévu que 34% des secrétaires exécutifs soient des femmes et 66% des hommes. Et sur les quatre communes à statut particulier, à savoir Cotonou, Porte-Nouveau, Aboumekalavi et Parakou, deux femmes ont été proposées, ce qui fait un point complet de 26 femmes à secrétaire exécutif et 51 hommes à secrétaire exécutif. Une telle répartition, hein, pour faire un tout petit peu l'équilibre à Rabalipara. Vous savez, depuis quelques moments en arrière déjà, le Bénin travaille à revaloriser la femme, à amener les femmes à partager les instances de prise de décision avec les hommes. Je pense que c'est effectivement le couronnement. On a donc travaillé à ce que, à tous les niveaux, on puisse avoir les femmes pour le cadre, donc pour le compte donc des secrétaires exécutifs au niveau des différentes mairies. On a constaté qu'effectivement, il y a de grandes traces concernant les femmes, des femmes valides, des femmes braves, parce qu'elles ont été sélectionnées, n'est-ce pas, en amont, au même titre que les hommes. C'est-à-dire que, bon, à compétences égales, désormais, de plus en plus, on travaille à accorder les chances égales à tout le monde. Non, justement, William Cliquin, bonjour. Bonjour, Christian. Bonjour à tous. Alors, tout au moins 24 femmes au Parlement, 9e législature, dans les communes, on s'est dit
apprend qu'il y a 26 femmes au poste de secrétaire exécutive. C'est-à-dire donc, en tout cas, on fait une part belle aux femmes désormais au Bénin. Absolument. Je crois n'avoir pas abusé en étant dans l'absolu quand cette proportion-là se répartit à tous les niveaux. Mmh. C'est le législatif, ensuite les collectivités locales. Mmh. Je crois que progressivement, ce sera le cas également aux hautes fonctions dans l'administration publique au niveau de l'État central. Mmh. Donc, on aura peut-être autant de directrices d'école, de directrices départementales que d'hommes. Et je crois autant que c'est ça. L'égalité. Autant de femmes ministres également. Ouais, on ne va plus en dénombrer quelques-unes dans une cohorte d'hommes. Mmh. Elles sont aussi bien compétentes. Comme Warab l'a dit, c'est un test auquel et femmes et hommes ont été soumis et elles ont pu tirer leur épingle du jeu. Donc elles le méritent. Là, d'accord, nous les verrons à l'œuvre et on tirera donc les conclusions du travail abattu. Merci à vous, Arab. On se retrouve tout à l'heure au forum de discussion. Rappel ce matin qu'il sera question de l'âge en amour. Elle vous dira qu'elle a 28 ans et que son homme a 42 ans, 45 ans, 50 ans. Il vous dira que lui a 32 ans et que son épouse a 45 ans. Est-ce que c'est possible? On fera le débat ce matin. Allez, restez avec nous, le bulletin matinal. De l'actualité de ce vendredi. Le tirage au sort des secrétaires exécutifs des communes du Bénin. Le tirage a eu lieu hier au Palais des Congrès. Trois phases ont marqué l'opération conduite avec l'expertise de la Loterie Nationale du Bénin. Ce sont les communes à statut particulier qui ont en premier connu les différents secrétaires exécutifs à leur niveau, avant les mairies intermédiaires et ensuite les communes à statut ordinaire. Tout s'est passé en présence des 77 maires des communes ainsi que des préfets et d'autres cadres de l'administration publique. Le ministre d'État en charge du développement et de la coordination de l'action gouvernementale, président du comité, a officié les différents travaux. Je vous propose de suivre un extrait de son discours. C'est bien Abdoulaye Biochane. Nous voici à une étape cruciale de la réforme structurelle du secteur de la décentralisation. Une réforme majeure. Issu d'un long, complexe et éprouvant processus au regard de ses exigences. Je veux saluer à cet effet tous les participants à cet exercice, en particulier les membres de la commission d'organisation, les membres du comité, mais surtout les maires et les candidats qui ont participé à cet exercice. La décentralisation constitue un des fruits majeurs de l'historique conférence nationale ayant alors réuni les forces vives de notre chère patrie. Elle s'est concrétisée d'abord par la création des communes, puis ensuite par l'élection et l'installation des premiers conseils communaux, respectivement en décembre 2002 et en février 2003. Mais passé environ deux décennies de pratique, le fruit s'avérait bien loin de tenir la promesse des fleurs. Plusieurs facteurs expliquent cet échec, car il faut l'appeler ainsi. Et sans être exclusif, on peut citer notamment un management tributaire des pesanteurs politiques, un personnel inadéquat, un système local inefficace et corrompu de gestion des marchés publics, des infrastructures parfois incompatibles, si elles ne sont pas tout simplement insignifiantes, une gestion budgétaire approximative et enfin une fiscalité locale peu adaptée aux exigences et enjeux de la décentralisation et du développement. Je veux rassurer ici sur le fait que cette sélection est sous l'importante réserve d'ultérieures enquêtes de moralité qui s'imposent en la matière. Enfin, chacun des candidats tirés dans cet exercice aura un délai de 48 heures pour se désister le cas échéant. Et dans ce cas, les maires concernés procéderont à un autre tirage. Pour le reste des communes et dans l'ensemble, le tirage sera fait de sorte que 26 femmes, soit dans plus de tiers des mairies,
soit secrétaire exécutif de commune. C'est un choix du gouvernement, c'est un choix nécessaire, c'est un choix pertinent, tant nous avons la conviction que les femmes candidates ont le bagage nécessaire pour valablement prétendre à ces fonctions. Nous sommes dans le mois de la femme, n'est-ce pas? Et nous allons le traduire dans nos décisions. Mesdames et messieurs, soyons heureux pour tous les candidats, notamment pour les 77 et ceux qui seront sélectionnés à l'issue du tirage. Cela dit, il est important de rappeler que c'est maintenant que le plus dur commence pour eux au regard de l'importance des résultats attendus de chacun au niveau des responsabilités où il se trouvera. Vous venez de suivre le ministre d'État Abdoulaye Biotchane à l'ouverture de ce tirage au sort qui rappelait le contexte de cette réforme ainsi que les années de pratique, l'historique des années de pratique de la décentralisation au Bénin. Je précise que pour le compte des 4 communes à statut particulier, les secrétaires exécutifs en nom à Porto-Novo, Isabelle Aimé et Sou, c'est dans la capitale. À Cotonou, c'est Nestor Nanouma. Nestor Nanouma, qui est le secrétaire exécutif de la commune. À Parakou, c'est Yacinthe Elegbédé et à Boumekelavi, l'autre commune à statut particulier. Le secrétaire exécutif à Nan, Karine Laourou, c'est une dame. Nous reviendrons sur cette actualité dans nos différentes éditions. L'actualité, c'est aussi dans les départements ministériels. La feuille de route de l'année écoulée a été évaluée au ministère des Affaires étrangères et de la coopération hier. Ce jeudi, le plan de travail annuel exercice 2021 a été revu. Les cadres sont revenus sur les taux d'exécution à différents niveaux par rapport aux prévisions. Suivez le compte rendu. Les chiffres établissent un bilan globalement satisfaisant en 2021 au ministère des Affaires étrangères et de la coopération. Une nette amélioration au vu des performances de l'année 2020. Le taux d'exécution financière du budget alloué à la mise en œuvre des activités est de 78,28%, mais globalement établi à 54,51% base engagement, tandis que le taux d'exécution physique est de 71,31%. Il est attendu des travaux de cette évaluation, une étude minutieuse des réalisations. Je nous invite à un examen rigoureux et objectif des niveaux physiques et financiers d'exécution atteints par le ministère, entendu département et services extérieurs. Des cadres du ministère en service hors du territoire national ont participé à la revue par visioconférence. Et dans un autre ministère, le ministère des petites et moyennes entreprises, précisément, le ministre a présidé hier toujours la quatrième session de revue des différents plans de travaux dans l'année 2021. La séance a également servi de cadre au lancement du PTA de l'année 2022. Elle a eu lieu dans la salle de conférence du ministère. Ali Moumouni et Moufid Sabour. Le défi imminent du ministère des petites et moyennes entreprises et de la promotion de l'emploi est d'aboutir à l'opérationnalisation de la nouvelle agence des petites et moyennes entreprises. La création d'un guichet unique de promotion des PME figure en bonne place dans le PAG 2021-2026 comme priorité du gouvernement. Cette priorité doit être mise en œuvre par notre département ministériel. Il s'inscrit au nombre des activités prévues dans le plan de travail annuel de ce département au titre de l'année 2022. Il s'agit d'une nouvelle structure créée après la dissolution de cette ancienne. Parce qu'elle reprend à la vérité toutes les initiatives, toutes les missions, toutes les attributions des autres précédemment existantes qui ont été dissoutes. Les agences sont dissoutes, mais leur mission, le service public de soutien et d'accompagnement au profit des petites et moyennes entreprises qui existaient, demeurent et elle hérite de toutes ces charges. Cette séance de travail entre le ministre Modeste Kérékou et les cadres du ministère des petites et moyennes entreprises a également servi de cadre à la revue du plan de travail annuel de l'institution au quatrième trimestre de 2021. À la suite des travaux techniques préalablement effectués, les différents résultats sont présentés aux participants pour appréciation. La reprise timide des activités due à la
persistance de la crise sanitaire liée à la COVID-19 continue d'avoir des impacts négatifs sur la mise en œuvre et l'exécution correcte des activités des directions centrales, techniques et des établissements publics sous tutelle. Monsieur le ministre, mesdames et messieurs, je finirai mes propos en prenant l'engagement au nom de mon équipe de redoubler d'ardeur pour une mise en œuvre correcte et efficace de nos prestations auprès de l'ensemble des structures de notre ministère. À l'issue des travaux, des recommandations sont faites pour améliorer davantage les résultats du ministère des Petites et Moyennes Entreprises et de la Promotion de l'Emploi cette année. Il faut souligner que les membres de la cellule Sport et Artisanat ont participé aussi à la séance afin d'accompagner l'institution dans l'atteinte de ses objectifs. Reportage signé Ali Moumouni. Et bien loin des ministères, vous allez le voir sous les images. Le nouvel évêque du diocèse de Djougou a été accueilli en pompe hier par les populations de la ville. La municipalité a organisé la cérémonie d'accueil. Monseigneur de Clairaut Tocha s'est réjoui de cette cérémonie de bienvenue. L'évêque a été nommé le 12 février dernier par le pape François. Information qui vous revient dans le 13h au Bénin avec Eric Guédénon. Dans un autre registre de l'actualité, cérémonie de retrouvailles de l'Union des jeunes professionnels d'image. Les artistes de la photographie se sont retrouvés à Abomey-Calavi pour réfléchir sur les conditions actuelles de l'exercice de leur métier. Je rappelle que l'association a été créée en 1999 et entend désormais mobiliser les acteurs de la photographie pour relever de grands défis. Clément Achadé, Samira Toukassoumou et Edéron Prévy. C'est par l'UME de l'Union des jeunes professionnels d'image, UJP, que démarre cette cérémonie de réjouissance et de réflexion sur les conditions de vie et de travail des photographes. Occasion pour les membres fondateurs de se retrouver pour se pencher sur le métier de photographe. À cet effet, les anciens pionniers de l'UJP sont revenus sur la vie de leur union, qui a marqué son temps avec un parcours jonché des hauts et des bas. Cette cérémonie vient donc relancer la mobilisation des professionnels des prises d'image. Tout le monde est dans la joie. Et c'est ça qui nous a poussé d'être ici ce jour. Je remercie vous, photographes, que d'autres ont déjà pensé que la photographie a déjà pris fin, est morte et c'est fini, et l'enterrée. Ils l'ont mal imaginé, mal pensé, mal dit. Aujourd'hui, voilà la preuve. Nous sommes là, d'accord. Mais ceux qui ont maintenant encore le sang vif, ce n'est pas qu'on n'a pas le sang vif devant le doyen. On a encore, conformément au doyen, on a encore le sang vif. Mais il y a d'autres aussi qui en ont plus vif que nous. Nous les exhortons à venir prendre leur bâton de pèlerin pour renforcer la photographie. Sincère remerciement au nom de nos collègues photographes, membres fondateurs de l'UJP. La retrouvaille de l'Union des jeunes professionnels d'image a été aussi l'occasion pour les membres fondateurs d'évoquer les difficultés auxquelles ils sont confrontés dans l'exercice de leur métier d'artisan. La fête a été par ailleurs le cadre de nouvelles propositions pour assainir leur secteur d'activité afin de relever les défis liés à l'émergence des médias sociaux. Et je demande à tout un chacun de nous ici, qu'est-ce que nous pouvons faire pour rehausser l'image de la photographie ? Nous avons tous des solutions. Prenons nos responsabilités quand on va sur les lieux de reportage, qu'on se comporte bien et qu'on apprenne ça à nos jeunes qui arrivent aujourd'hui et qui font le travail. C'est une loi qui va vraiment nous amener loin, sinon qui nous amène loin. Nous, on a fait pendant longtemps, on a dit il faut préparer la relève parce que personne ne connaît pas le moment où Dieu va l'appeler. Donc, il faut qu'on initie les jeunes aussi à nous suivre. Là, même si nous, on n'est pas là, ils vont poursuivre la lutte. C'est de là que l'UJP est né. La journée de retrouvailles de l'Union des jeunes professionnels d'image s'est achevée par la distinction des pionniers de l'Union qui ont mouillé le maillot pendant la période des vaches maigres qu'a connue leur association. À cet effet, 4 laboratoires de photographie ont reçu au cours de la cérémonie leur attestation de distinction. En plus des laboratoires, plusieurs autres artisans qui se sont illustrés par leur savoir-faire ont reçu la distinction honorifique. L'Union des jeunes professionnels d'image de 1999 à 2022
totalise 23 ans de vie avec un bilan satisfaisant qui motive ses membres. Santé publique, pour boucler ce mini-journal, le Bénin a adopté récemment la loi portant code d'hygiène publique. Le test demande aux populations, il est interdit d'uriner aux abords des différentes artères et voies publiques ainsi que les places publiques. Mais aujourd'hui, dans les grandes villes du Bénin, les infrastructures pouvant accueillir les usagers pour la satisfaction de leurs différents besoins vitaux n'existent pas. Assiongon Kanyé, Assiongon et Rachidi Soubérou ont fait le constat. À l'instar de la plupart des métropoles béninoises, Cotonou et Abomey-Calavi ne disposent pas d'infrastructures. Douches, cabinets des hommes, urinoirs. Un constat clair au moment où le gouvernement vient de promulguer le code portant hygiène publique le 16 février 2022. Il est vrai que l'envie d'uriner ne prévient pas, mais ce n'est pas une raison pour le faire sur les places publiques. C'est une bonne chose, hein, parce qu'il faut que nous apprenions, n'est-ce pas, les bonnes manières. Il faut que nous apprenions les bonnes manières. Mais le problème doit être résolu à l'amont. Parce qu'il ne suffit pas de copier ce que nous avons vu ailleurs et de le transposer tout simplement chez nous, alors que nos réalités ne sont pas les mêmes. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Vous savez, nous sommes au stade ici. Combien d'urinoirs vous avez ? Ça, c'est des problèmes à régler à l'amont. Le fait d'uriner, c'est un besoin physiologique et ça peut prendre à n'importe quel moment. Selon Guy Wokou, enseignant-chercheur dans les universités béninoises, une autre forme de déviance se faisait jour que viendra freiner la loi. D'ailleurs, vous allez constater qu'il y a des gens qui ont déjà idée, qui ont ramené pratiquement ça dans leur habitude. Ils ont de belles toilettes, ils ont de bons WC chez eux, mais ils préfèrent toujours sortir pour venir uriner dans la brousse. C'est de l'incivisme, mais ce n'est rien d'autre que le fait que nous sommes restés au village. Vous savez qu'au village, toutes les parties, toutes les zones, et tous les endroits sont pratiquement avec de la végétation. C'est la brousse un peu partout. Je pense bien avoir l'ampleur que prend ce phénomène. Cette loi est bienvenue. Parce que c'est une remarque. En pleine rue, dans des grands boulevards, vous constatez des grandes personnes sorties, ce qui fait la valeur de l'homme, homme petit tâche. Il sort, il se met vraiment à uriner devant tout le monde. Ça n'honore pas. Et la ville de Cotonou n'est plus à ce niveau. Désormais, quiconque est surpris en train de satisfaire un petit besoin, uriner et déféquer aux abords des voies publiques et sur les places publiques est passible de poursuite. Une fois que l'urinoir est à côté et que l'intéressé défèque ou bien urine à côté, on peut le verbaliser. Là, ça peut se comprendre. Mais les infrastructures adéquates qu'il faut à l'amont pour régler le problème ne sont pas disponibles. Donc ça veut dire quoi? Les gens vont se faire verbaliser à tort. Les gens vont se faire verbaliser parce que certainement, ils vont uriner comme d'habitude. Ils regardent à droite et à gauche et puis ils trouvent personne là. Ils urinent et ils s'en vont. Une mesure prise pour rendre le cadre de vie propre et sain, donc contre toute souillure. Pour nombre de personnes interrogées, c'est une disposition qui vient mettre fin aux déviances et comportements d'une autre époque. C'est pour l'assainissement du cadre de vie que la loi est votée et c'est une bonne chose. On ne peut pas parler de bonne santé sans assainir notre cadre de vie, sans assainir notre environnement.
L'environnement, c'est vrai, c'est tout ce qui nous entoure. Mais est-ce que vous qui êtes là, vous pouvez aller vous asseoir sur un tas d'ordures pour manger? Même le fou, quand il ramasse les déchets et autres, il quitte d'abord le tas d'ordures et va chercher un abri quelque part un peu propre pour s'asseoir. La loi a pris des dispositions pour que les services nécessaires soient offerts aux populations. L'article 11 du Code précise que les autorités locales installent et entretiennent partout où cela est nécessaire les infrastructures adéquates, notamment les douches, les cabinets d'aisance, les urinoirs et les poubelles. Et c'est tout pour le mini-journal. Bon mois d'avril à vous, Christian Adanley. Voilà, c'est le 1er avril, justement. Poisson d'avril pour tous. Merci à vous. J'allais dire que vous ne serez pas là au plateau ce matin. On va vous découvrir après pour un bon poisson d'avril aux téléspectateurs. Allez, merci. Allez, passez une belle journée du vendredi. Merci, Christian. Et un très bon week-end. Ali Oumouni, bonjour. Bonjour. On sera avec vous dans un instant pour le journal des sports. Merci d'être là. La pause pub. Bulletin d'information de ce jour. Les trésors royaux sont de retour. Décodeur a mis des 95 000. Hein? Vous voyez des rayons qui sont Canal plus, canal plus. Tout en ciné. Il s'est là, il y a une. Vraiment, les temps ont changé. Un trésor vous attend chez Canal+. En ce mois de mars, le décodeur HD est au prix de 1000 francs CFA seulement dès la formule Évasion. Rendez-vous dans le point de vente le plus proche de chez vous ou appelez le 7055. On a poursuivi hier avec les rencontres de la quatrième journée de la Ligue Pro. Il y a eu deux rencontres. Il y a eu deux rencontres hier, Ali. Il y a eu deux rencontres hier. Une dans la zone A et B, donc la zone septentrionale, et l'autre dans la zone CD, la zone sud. US Baboni donc était dans la zone A et B contre face à Rodio. FC, US Baboni et Rodio se sont séparés dos à dos sur le score d'un but partout. De son côté, c'était donc Aspac qui enregistrait sa toute première victoire, Christian, après 4 journées, 2-0 face à Sobimap Sport. C'était donc les différents résultats des deux rencontres comptant pour la quatrième journée de la Super League Pro, suite disputée hier, jeudi 31 mars 2022. Alors, les programmes, la cinquième journée, c'est à partir de demain. Oui, de demain. Demain, donc, samedi 2 avril 2022, Azos sera à domicile. Il faut affronter la jeunesse athlétique de Côte Kétou. Les requins de l'Atlantique auront pour adversaire à Espolis, les requins de l'Atlantique qui, depuis deux journées, enregistrent que de succès après leur assemblée générale. Real Sport sera donc à Paracou, au stade municipal, pour accueillir Dynamique FC de Djougou. Pendant ce temps, Energy FC sera en déplacement pour affronter Soleil FC dimanche à SPAC. Après sa victoire, donc hier, Aura accueillera les Dragons de l'UME. Ce serait donc à Tofo. UPONM sera donc sur le terrain du campus d'Abomey Calavi pour affronter Avran Kouamni Sport. La Estakone sera à domicile à Kandi pour jouer contre l'Union Sportive Barboni. Rodu FC aura pour adversaire Damissa pour finir avec les rencontres du dimanche 3 avril. Tonnet FC accueillera donc au stade Tomalaga de Poikon. Dynamo du Paracou. Et puis pour finir avec les différentes affiches de cette cinquième journée, lundi, Sitatunga sera l'adversaire du Sobimap Sport. Christian, vous comprenez, c'est compte tenu des dispositions, des installations, puisque UPONM et Sitatunga accueillent sur les mêmes installations, donc le campus Tapamé Calavi. D'accord. On commence, on parle également de la Super League Pro. La huitième journée démarre donc ce week-end et demain samedi, l'Auto FC aura pour adversaire la jeunesse sportive de Paubert, l'Union sportive des Cavaliers de Niki, jouera contre l'association sportive de Cotonou, Dynamo d'Abomey aura pour adversaire Jeffa FC. Et pour finir avec les rencontres de 16h, BKFC accueillera donc à Bembereke Éternel. Omnisport, dimanche, Espoir FC de Savalou sera l'adversaire de Ayema
Asvo aura pour adversaire de son côté donc Jeffa FC Adija jouera contre les Panthers de Djougou et puis pour finir les Buffles, ce classique ici, sinon ce nouveau derby sera l'adversaire de Coton FC. Toutes les rencontres sont prévues pour démarrer à 16h. Magnifique. Du basket, bon à présent avec les différentes affiches. Oui, au niveau des dames, puisque toutes les rencontres pour concernant les hommes sont terminées. Donc pour la conférence sud et la conférence nord du basketball chez les dames, Team BS sera à domicile donc à Paracou à partir de 16h pour accueillir Elan Coton. Et puis de son côté ici au centre communautaire EIA à partir de 17h, ASPAC Basketball Club sera l'adversaire du AOL BBC Renaissance Basketball Club. Pour sa part aura pour adversaire Énergie à partir de 19h. Toutes les rencontres sont bien sûr se joueront comme sont des rencontres des dames Christian, puisque je l'ai dit tout à l'heure, les rencontres des hommes sont déjà terminées pour le camp de cette première phase de la Ligue professionnelle de basketball du Bénin. Voilà. Et puis, vous avez quoi pour nous encore? Alors, Christian, demain c'est samedi, comme on parle bien sûr des affiches du week-end, est-ce que votre programme de sport tient? Alors, forcément, tous les samedis, matin, on fait quelques efforts de jouer, et je pense que demain nous jouerons. Au football. Au football. Alors, au stade de l'amitié générale Mathieu que au coup de Cotonou, Christian, il y en a qui ne manquent jamais. C'est bien sûr les membres du club de sport Bien-être Club. Et demain, ce serait le premier week-end de l'ancien nouveau bureau dont les membres ont été réélus lors de l'assemblée, à l'issue de l'assemblée générale élective de l'association. Au cours de cette session, plusieurs rapports sont présentés, notamment ceux des activités sportives et sociales et des activités, bien sûr, du président. En exercice, à l'issue de l'élection, le président Florent Yancy est plébiscité Christian par un suffrage de 73 voix. Il est ainsi reconduit à la tête de Bien-être Club pour un nouveau mandat de 4 ans. Suivez ici un extrait de ses premiers propos où il parle de leur ambition de vulgariser les activités du club. Je veux également citer la sortie du magazine Bien-être. Il s'agira d'une revue annuelle qui présentera les activités phares réalisées par le club et servira également de moyen de sensibilisation sur le sport. Nous allons œuvrer pour la vulgarisation du sport en continu, tout en continuant les œuvres entamées et les pratiques habituelles. Ce deuxième mandat, pourquoi pas le dernier, fera de nous un bien-être club connu le plus à l'échelle nationale et internationale. Allez, plusieurs responsables d'autres clubs de sport d'entretien, Christian, qui promeuvent bien sûr particulièrement la marche, sont invités à l'assemblée à cette assemblée générale. Ceux-ci ont tous apprécié l'ambiance dans laquelle se sont déroulés les travaux. Suivez ici leur impression après les élections. Ok, chers congressistes, je ne peux que vous remercier. Je ne peux que vous remercier parce que c'est notre association qui s'en sort grandie. C'est une élection spéciale, comme vous l'aurez dû constater, dans l'organisation et dans toutes les procédures. Je demande... Vous êtes un club et vous avez très bien dit que vous allez vous implanter dans chaque coin du pays pour faire une fédération. Je paraphrase le président d'honneur, M. Koum. Et c'est cela ce qui est intéressant et c'est cela la marque que poursuit Match Pro, votre partenaire de toujours, votre partenaire de maintenant, votre partenaire de demain. Merci encore une fois les amis sportifs. C'est pour moi une grande joie d'être parmi vous pour une âge qui s'est passée dans la transparence et surtout dans la discipline librement consentie. Je suis très très content. Je ferai le compte rendu à qui de droit. Comme le président a parlé à un échelon
internationale, pour ceux qui sont ici, qui me connaissent, j'aime beaucoup voyager. Une fois déjà, on a fait sortir bien-être sur Togo. Et cette fois-ci, on a beaucoup de projets avec le président qui est là. Nous allons tous travailler et sortir sur un pays à côté qu'on appelle Ghana, que vous-même vous allez découvrir la prochaine fois. Allez, à l'instant, Christian, vous avez vu les différentes responsables des autres clubs de sport d'entretien qui sont invités à cette assemblée générale élective du club de sport Bien-être Club. Christian, donc ils ont plusieurs initiatives et tout ça contribue à faire la promotion de la marche et donc amener tous les Béninois à ne serait-ce que pratiquer ce sport. D'accord, le sport d'entretien, en tout cas, ils prennent d'assaut, hein, l'esplanade intérieure comme extérieure du stade de l'Amitié. Ah oui, tous les tous les samedis et les dimanches également pour pratiquer la marche. C'est toujours bien de le faire. Vous le faites au quotidien, oui, le sport. Nous, on court même. Vous courez beaucoup. Très bien, Ali Mouni, c'est quoi votre programme du week-end? C'est vrai que le carême musulman démarre. Probablement demain ou dimanche. Samedi ou dimanche, d'accord. En tout cas, merci beaucoup, merci d'être passé ici pour ces informations sportives. Nous allons poursuivre notre randonnée matinale avec le forum de discussion. Et ce matin, une grosse interrogation, peut-on s'aimer malgré la grande différence d'âge? C'est la question que nous poserons aux débatteurs ce matin, amenés par Zakat Latunji, Herman Anyamoussou, Khabali Kwara. Et notre invité, c'est un artiste, Herman Kelom, qui est d'ailleurs notre artiste du jour, Fo Logozo. Il sera avec nous, et vous également, vous serez avec nous, puisque vous avez la possibilité d'appeler aux numéros qui vont s'afficher à l'heure du débat. Pour une meilleure productivité, vous avez besoin de matériel informatique de qualité qui réponde à vos attentes. Chez Microland Informatique, nos PC sont adaptés à vos besoins. Du 1er au 31 mars 2022, venez profiter de nos packs spéciaux PC et tablettes avec des réductions allant jusqu'à moins 40% et plusieurs accessoires vous sont offerts en cadeau. Visitez-nous vite dans notre showroom à Gonry, en face de la librairie Notre-Dame. Jusqu'à 12 mois de garantie. Service après-vente et livraison assurée. Contact vendeur 95 95 28 24. Microland, votre solutionneur numéro 1 en informatique. Oser. Croire. Célébrer. Vous l'espériez, il est enfin là. Envie de gagner des millions? Va sur onesbet.bj pour créer ton compte. Fais ton dépôt via MTN Mobile Money ou Move Money. Place tes paris pour te faire plein de gains. Onesbet, les paris pour tous les goûts. Attention, attention. La COVID-19 continue de sévir. Pour vous protéger et protéger les autres, vaccinez-vous. Vous êtes âgé de 18 ans et plus, vous pouvez recevoir les doses des vaccins contre la COVID-19. Vous avez 12 ans et plus, le vaccin Pfizer peut vous être administré. Alors faites le geste qui sauve. Rendez-vous dans les postes de vaccination implantés dans les formations sanitaires de votre arrondissement et de votre commune ou appelez le 136 pour tout renseignement. Les vaccins contre la COVID-19 sont sûrs, efficaces et gratuits. Pour tout savoir sur l'épidémie de coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Allez, nous allons installer le forum de discussion à partir de cet instant. Chers membres du forum, venez, installez-vous. En fond sonore, nous avons cette musique de Michel Sardou qui nous rappelle que la maladie d'Amour court de 7 à 77 ans. Nous allons voir si c'est vraiment possible. Herman Logozo, venez vous installer. Avec Christelle à la réalisation, on aura cette musique donc en fond sonore pour installer donc le plateau de la discussion. Merci d'être là, cher monsieur Herman
Agnambousou, bonjour. Oui, la maladie d'amour, elle court. Elle court, oui. De 7 ans. À 77 ans, tout à fait. Je pense que ça va pas fort de ce genre de 17 ans. Ah oui, à Fidoum. Bon, bref. Zakia Platouli, bonjour. Bienvenue. Merci. L'extrême droite, vous êtes là. Bonjour. Bonjour. Herman Lobozo. Il y a Herman Kenangou. Comment vous appelez quoi? Mon oreille la veille pourvu que le train passe. Allez, le sujet en débat ce matin, c'est bien sûr cette folie d'amour, hein, cette maladie d'amour où on ne tient plus compte de la différence d'âge. On vous dira que 5 ans, 10 ans, c'est encore gérable. Mais il y en a qui vont jusqu'à 20, 30, 35 ans d'écart. Cette différence d'âge ne les empêche pas de se mettre ensemble pour construire une relation. Et face au regard interrogateur et critique de la société qui ne comprend justement pas pourquoi ces deux êtres se sont mis ensemble, pourquoi ces deux êtres s'aiment. Les uns sont en la recherche de partenaires jeunes, les autres de personnes plus âgées, pour des raisons, je dirais, diversement variées. Nous allons essayer de découvrir ces raisons en plateau ce matin. On essaiera de répondre à un certain nombre de questions. Qu'est-ce qui peut expliquer cette attirance, cette mise ensemble? L'âge doit-il être, je dirais, un déterminant en matière de relations? Sinon, y a-t-il des intérêts inavoués? Et à quel avenir avouer ce type de relation? C'est autour de cela que nous échangerons ce matin, chers messieurs. Le sujet ainsi énoncé, le décor est planté, vos réactions sont attendues. Doit-on voir cela de mauvais œil? Que deux personnes, Zakia Platouji, le vieux père, 52 ans, la petite, 24 ans, se mettent ensemble. La maladie d'amour dans le cœur des enfants. Bref, en réalité, ça ne devrait pas poser problème. Mais avec un peu plus de réalisme, quand l'écart est un peu trop grand, ça pose problème. Mmh. Parce que... Bon, comme on dit, on ne sait pas quand sonnera le quand viendra le jour dernier, oui, pour chacun. Parce qu'on peut être dans un schéma où le vieux a peut-être 50 ans, la fille a... l'homme a 50 ans, je ne veux pas dire le vieux, parce que là, c'est déjà stigmatisé, le taillé de... Donc, l'homme a 50 ans et la fille, par exemple, 25 ans. On peut se retrouver dans un schéma comme ça. Donc, il y a une différence d'âge de 25. Même dans un cas de figure comme ça, la providence peut décider que la fille parte avant le monsieur. Ça peut arriver. Mais on ne sait jamais. Si éventuellement c'est l'homme qui part avant la fille, qu'est-ce que cette fille va devenir? Quelle sera la suite? Hein, pour sa vie. Et si en temps elle a eu des enfants avec le monsieur, qu'en sera-t-il de l'éducation, de la prise en charge de ces enfants-là? Je pense que c'est un peu par rapport à tout ça que quand l'écart est un peu trop grand, on se pose énormément de questions pour la providence ou justement la suite de la relation. Sinon, a priori, l'amour ne connaît pas d'âge, l'amour ne connaît pas de... D'accord. Il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite dans l'amour. Mais après, il faut rester un peu réaliste quand même. D'accord. Hein, parce que si on se met ensemble, c'est vraiment parce qu'on s'aime. C'est parce qu'on veut partager beaucoup de choses ensemble. On veut partager beaucoup d'histoires ensemble. Et quand on regarde l'expérience de vie, et ça c'est scientifiquement prouvé aussi, même si ce n'est pas toujours exact, quand on regarde, on se dit, bon, qu'est-ce qui va se passer après? Très bien. Vous avez pris l'exemple de ce monsieur et de cette jeune femme. Prenons l'exemple de cette dame et de ce jeune monsieur. Oh,
Oui, Christian, dans les années. On ne peut pas continuer avec les hommes. Bon, on va prendre cet exemple. Je voudrais... Avec les deux Herman qui sont en plateau. D'accord. Donc, on verra comment. D'accord, je vais répondre à votre question, mais je voudrais rebondir un peu sur le développement de Zakiat pour dire que, de façon globale, n'est-ce pas, on peut y voir soit les questions de religion, soit les questions de région, c'est-à-dire ce sont les pratiques, vous êtes d'une certaine région donnée, d'une, je dirais, une ethnie donnée, et que ce sont des pratiques ancestrales, vous en avez hérité, et puis ça évolue. Ça peut être également des rites. Nous avons dans certains royaumes, encore au Bénin, ici par exemple, où le roi qu'on intronise, n'est-ce pas, a parmi ses épouses de très très petites filles, qui parfois sont moins âgées que leurs propres enfants. Et donc, les raisons sont variées. On peut vous expliquer que non, le roi a besoin des filles peut-être vierges pour des questions de sécurité. Il y aura certaines cérémonies où on a besoin des femmes qui, franchement, n'ont jamais eu de contact avec un homme. Bref, il y a des détails sur le plateau, on ne peut pas revenir. Maintenant, les raisons qui peuvent amener les hommes, on peut trouver vraiment l'amour, puisque le cœur a ses raisons, la raison elle-même ignore, disait Blaise Pascal. On peut y trouver, n'est-ce pas, des questions d'intérêt, soit c'est l'intérêt matériel, les questions de sécurité également. Et là, vraiment, sécurité sur tous les plans. Lorsque, par exemple, une famille veut se mettre à l'abri, c'est-à-dire se trouver une sécurité alimentaire, comment manger, une sécurité financière, bref, peut décider, n'est-ce pas, de travailler à ce que la petite fille soit dans les bras d'un papa plus âgé. Maintenant, pour revenir à votre question, vous m'inversez la tendance par rapport à Zakiat de voir l'appréciation de la relation d'une femme plus âgée par rapport à un garçon un peu plus jeune. C'est à ce niveau que les commentaires sont plus nombreux. Parce que quand on prend le schéma où l'homme est la plupart du temps plus âgé, les commentaires existent, mais sont plus ou moins moindres. Mais lorsque vous inversez la planche, vous verrez que lorsque c'est la femme qui est plus âgée, n'est-ce pas, tout de suite, même dans la famille d'abord du garçon, ça commence pas à poser problème. Maman dit, ouais, mon air. Vous voyez, donc ça pose déjà un problème. Et vous allez voir parfois une certaine réticence même des femmes. C'est des cas parfois rares parce que ça existe. Mais même si vous êtes avec des camarades de classe, il y a de ces filles qui trouvent que non, une fois qu'elle est plus âgée que le garçon, quel que soit le niveau intellectuel, les performances intellectuelles du garçon, qu'elle ne peut pas plutôt se mettre en contact avec ce garçon. Donc, les raisons sont multiples, multiformes, variées selon les sentiments des uns et des autres, des intérêts des uns et des autres. Voilà, Herman Anyamoussou. Ouais, moi je pars du postulat que la vieillesse est un état d'esprit. Oui. Y a des gens qui ont deux fois mon âge. Mais quand vous les voyez debout, vous vous demandez si je ne suis pas le grand frère de loin. Idem pour moi aussi, hein, il y a des gens qui sont moins âgés que moi. Mais quand vous les voyez, vous vous demandez s'ils ne sont pas mes grands frères de très loin. Et donc, tout de suite... Donc vous parlez du postulat de la corpulence. De la corpulence, de tout ce que le monsieur mène comme activité, de tout ce que la femme aussi mène comme activité. Vous tombez sur des femmes qui vous dépassent de 9 ans, 10 ans. Mais c'est elle qui vous apprend beaucoup de choses. Oui, c'est aussi ça la vie. Et donc, quand je parle de ce postulat, je me dis, se mettre ensemble, que ce soit un homme d'un certain âge, avec une fille d'un âge certain, je pense que tout, après tout, c'est quelle appréciation vous avez de vos relations. Quand vous avez fini de faire tout ce qu'il faut avec elle et que vous allez vous laver, parce que généralement, bon, on a la chance désormais, nous on a grandi dans des cours où il fallait sortir de la chambre pour aller aux toilettes dehors. Désormais, il y a ces toilettes internes, douches internes. Et dedans, il y a un miroir quand vous vous lavez. Et quand vous avez fini de vous laver, que vous mirez, vous demandez, finalement, je sers à quoi dans le monde? Quand vous vous posez cette question-là et que votre conscience ne vous reproche rien, mais continuez. C'est ça la vie. Je pense que c'est aussi ça. C'est vrai que on peut tout dire. Hein. L'homme âgé, c'est pour quelle raison il soit avec une fille qui a l'âge de ses enfants, qui est même moins âgé que ses enfants,
idem pour l'enfant qui sait qu'il soit avec sa mère et tout. Tout ça là, quand, après tout, c'est le miroir. Quand vous avez fini de vous regarder dans ce miroir, de vous mirer, que l'image que ça vous reflète là, je pense que c'est ça qu'il faut garder. Et comme ça, votre conscience est dégagée. Très bien. Tranquillement. Oui, conscience dégagée, il faut se foutre du regard des autres dans pareille situation, dans pareil cas. Moi je pense personnellement qu'il faut s'en foutre. Hein. Et quand ça frappe à ta porte, vaut mieux ouvrir et faire ce que tu as fait. Mmh. Et qu'importe ce que les gens pensent de toi, puisque l'essentiel c'est ton bonheur. Mmh. Et si bonheur dans ça. Il y a bonheur dans ça. 25 ans de différence, et quel bonheur trouve-t-on dans ça? Bon, faudrait qu'on trouve un vieux, qu'on lui demande aussi. Hein. Parce que c'est pas la même situation. Et puis on lui demande, et je suppose que cette personne pourrait nous dire ce qu'il en est réellement. Parce que si c'était pas bien, je ne pense pas que ça se ferait. Et chacun y trouve son compte, je crois, parce que nos jeunes filles aujourd'hui ont été éduquées dans l'optique que c'est quelqu'un qui va te sortir de la misère. Donc il y a, comme Wahab l'a dit, cet aspect de sécurité financière qu'il ne faut peut-être pas occulter, parce que c'est ça en fait. Je dois sortir de la misère. Et ce jeu, il y a un intérêt autour quand on se fréquente comme ça. Voilà, mais il faut aussi pointer du doigt un aspect, parce que le papa a sa femme, après plusieurs accouchements, le corps est tout flasque, il rentre à la maison, la libido n'est plus au rendez-vous, donc il a besoin de fraîcheur. Donc il se tourne vers la fille de 17 ans, de 18 ans, c'est beaucoup plus chic. Donc, pour se refaire un autre sens, c'est ça, c'est ce qu'on a l'habitude de se dire. La première partie, je veux intervenir, mais aussi les questions. La première partie de l'intervention me rappelle une chanson qu'on fredonnait quand on était au primaire ou au collège encore. Na Aïda, Nyoholo, Souele, Anandou, Son, Vivi, Agada, Dekbe, Souelo, Anandou, Bafio, Fio. Ça renforce un peu ce que Herman vient de dire, parce que avec cette chanson, on comprend qu'il y a une certaine sécurité à aller vers un homme qui est plus âgé, parce que il est plus aisé, il y a plus d'assurance, et c'est comme si c'est lui qui vient vous sortir de votre misère. Mais je pense que la tendance change beaucoup aujourd'hui, parce que on a des femmes qui se retrouvent dans des situations où elles sont obligées de se battre pour se donner un nom. Et ces femmes-là servent un peu de modèle aussi pour d'autres jeunes femmes qui comprennent qu'il ne faut pas forcément tendre la main à un homme ou attendre qu'un homme vienne vous sortir d'une situation de précarité. Et je pense aussi que les femmes prennent de plus en plus conscience que si elles ont une certaine indépendance financière et que l'homme aussi a cette indépendance financière, ça va être plus facile qu'ensemble on puisse mener une vie plus agréable. Très bien. Maintenant, il y a toujours des cas où on est tranquille dans son coin, on attend que l'homme apporte l'Eldorado qu'on souhaite. Ça aussi, ce n'est pas à exclure. Donc, d'une manière ou d'une autre, il y a la question de la dépendance ou alors de l'espoir que l'homme va apporter la sécurité qu'on recherche dans tous les sens du terme. Maintenant, deuxième aspect, c'est la... quand on dit que le monsieur est d'un certain âge, il a eu sa femme, et la femme avec la maternité, avec le poids des situations qu'elle a eu à gérer, n'est plus... Tout est tombé, tout n'est plus en place. Non, moi je ne suis pas d'accord avec ça. D'accord. Parce qu'à un moment on s'est rencontrés... On n'a pas encore dit que vous n'êtes pas appétissante. Non. Allons-y. C'était juste une précision. De toutes les façons, vous êtes d'accord avec Marc. D'accord. La vieille marmite et qu'on prépare la sauce dedans, à cette sauce est beaucoup plus agréable que la nouvelle marmite qu'on achète. Validé. Validé. Non. Vous nous imposez votre Je laisse ça à votre conscience et répondez à la question quand vous serez face à votre miroir. Mais rapidement pour finir par rapport à ça. En réalité, on s'est rencontrés, on était jeunes, on était tout frais.
Mais vous êtes d'accord que le corps de la femme avec la maternité, cette maternité que nous avons tant désirée ensemble, hein, et que c'est vous qui avez semé la graine en moi que j'ai dû porter, et que cet enfant qui est né porte votre nom, il faut quand même savoir que je ne peux pas être comme au premier jour. Et qu'il faut pouvoir me supporter, hein, malgré le poids de l'âge et le poids Justement, c'est pour vous aider, n'est-ce pas, pour que vous ne soyez pas totalement amorti. C'est ce qu'on entend, hein, en général, parce qu'on dit que bon, elle est fatiguée maintenant, il faut qu'on l'aide un peu. Est-ce que je vous ai dit que je suis fatiguée? Non, non, la femme est dit jamais. Ça se constate, ça se comprend. Mais est-ce que vous, les hommes, là, il vous arrive de vous mettre à la place de la femme et de vous dire que, mais moi aussi là, parce qu'à un moment, vous aussi, vous vieillissez. Vous n'êtes plus aussi fort qu'au départ. Si après, avant, on pouvait aller à 3 rounds, c'est clair qu'avec le poids de l'âge, vous n'êtes plus capable de faire comme ça. Moi aussi, je suis prête à aller faire les rounds. Tout à l'heure, dans un développement de Zaki Attel, a trouvé, n'est-ce pas, que les choses ont évolué qu'en termes de sécurité et autres, les femmes se battent et donc trop compter sur les hommes n'est plus d'actualité. Mais il y a un de la médaille, sinon il y a une seconde face de la situation. C'est que quand vous observez l'évolution, les réalités, c'est-à-dire une femme qui fait 2-3 enfants, n'est-ce pas, avec différents hommes, ceux qu'on qualifie vulgairement de blessés de guerre, il est très rare qu'elle tombe sur un homme, c'est-à-dire un jeune qui accepte la recruter et accepte le... Ce sont des papas d'un certain âge qui ont l'expérience de la vie, qui se dit qu'effectivement une femme peut rencontrer tant d'accidents sur son parcours et finir avec sa maturité, son expérience, comme je le disais, et épouser ce monsieur. Et en plus, il y a de ces femmes, quand elles finissent de vivre ces accidents de parcours, ce sont vers les papas d'un certain âge qu'elles s'orientent parce qu'elles savent que sur la liste de la compétition, elles ne peuvent plus se mettre avec 2-3 enfants faits à 3 papas différents avec une fille chez qui le compteur est à zéro. Donc, il y a ce schéma-là. Maintenant, quand on finit, il y a la question du résultat final. Parce qu'on se demande, qu'est-ce qu'on a à gagner ou que va devenir ou que vont devenir les enfants faits à un papa, n'est-ce pas, qui a 60 ans, n'est-ce pas, et que la femme... L'héritage. Oui, bon, ça, c'est... Bon, ça, c'est non, on peut... Je crois que ce n'est pas aussi mauvais que ça. La femme, c'est vrai, dans le milieu où elle est tombée toute jeune, avec moins d'expérience que le papa qui a vu matin, midi et soir avant elle, n'est-ce pas? Ça peut ne pas être facile, mais le résultat n'est pas toujours mauvais. Vous ne serez pas étonné si sur le plateau vous découvrez, n'est-ce pas, que vous avez des collègues qui sont les résultats, ou le résultat de ces familles-là, où papa est d'un certain âge, maman est peut-être la petite femme de papa, comme on dit. Vous êtes plus âgé que la petite femme de papa. Des fois, c'est-à-dire, vous avez de ces cas-là. Oui. Vous avez de ces petites femmes de papa, où l'aîné de papa est plus âgé, bien entendu, que la maman. Il y en a, et ces enfants ne sont pas inutiles et ne sont pas devenus inutiles. La vie de foyer n'a pas été un enfer pour autant pour la maman. Même s'il faut reconnaître que bon, ce n'est pas toujours facile. Maintenant, quand on revient sur le cas où des fois peut-être c'est la femme qui est plus âgée, que bon, le monsieur il est traité de gigolo, même si c'est lui qui fait les grands efforts en termes de finances et autres. Bon, il y a des commentaires qui sont là parce que quand la femme, vous voyez, l'héritage d'ordinaire, c'est beaucoup plus ce que l'homme laisse. C'est sur ça qu'il y a
beaucoup plus les attentions. Quand c'est la femme qui est plus âgée, c'est elle qui a les moyens et autres. À la fin, n'est-ce pas, le partage n'est pas aussi de la même manière D'accord. que quand l'héritage est laissé par l'homme. Alors, quel est le regard de la société? C'est en tout cas autour de cela que l'on s'interroge. Lorsque c'est un homme plus âgé et à côté, bon, une jeune dame, je pense que c'est beaucoup plus acceptable. Mais dans le sens contraire, où on parle de la vieille mère et du jeune homme, c'est-à-dire la gnaï et le jeune homme, est-ce que véritablement là on doit parler d'amour ou les intérêts autour? Moi je pense que dans la plupart de ce genre de cas, le jeune homme a aussi a besoin d'une sécurité financière et la maman peut-être délaissée par son mari ou veuve ou divorcé, a besoin d'être de temps en temps secoué. Mmh. Et quoi de mieux qu'un jeune vigoureux pour pouvoir accomplir pour pouvoir cette tâche. Jouer cette tâche importante. Combien importante, Seigneur. Donc, moi, j'en connais plein. Mmh. Ils le vivent bien. C'était même affiché fièrement. C'est une mission républicaine. Des stigmates, ils ne vivent pas avec des stigmates. Moi, c'est-à-dire, avant, lorsque je sors avec... mon truc, ouais, c'est-à-dire la dame, oui, c'est la femme qui a le truc. Non, non, en tout cas, la dame, par exemple, est-ce que dans la tête, il n'y a pas un choc qui se crée? Le gars là qui nous regarde, est-ce qu'il n'est pas en train de s'interroger par exemple? Il y a déjà un choc à votre propre mission, c'est pour ça que vous appelez la femme truc. La plupart, du, temps, la plupart du temps, les gens qui voient un jeune avec une dame assez âgée ne pense pas sur le champ qu'il y a quelque chose en eux. Donc, c'est mère et fils. Mère et fils, ou bien de temps en temps, dit, c'est ma marraine. À dire marraine, c'est dire oh, attention. Il y a un gueule sous roche. Donc, les gens pensent souvent que c'est la marraine. Mais, et comme le dirait un de mes jeunes frères, chaque fois qu'elle m'appelle, c'est pour que j'aille accomplir mes devoirs conjugaux. Mm-hmm. Mais sincèrement, vous je suis épuisé. Je lui ai demandé, mais elle te donne l'argent. Elle est mal au foufou. Tiens, Gino, elle a sauvé, mais de temps en temps. Mm-hmm. Ça veut dire que quoi? Il n'a pas vraiment envie de faire ça, mais sa situation... C'est-à-dire il en a pris comme un job. C'est un job. Et il faut le voir aller se muscler presque tous les jours, parce qu'il doit tenir le coup. Il en a plusieurs comme ça. Donc, moi, je me dis que et sur ce côté, on ne parle pas. Quand il s'agit de la femme âgée et d'un jeune homme, il n'y a pas l'amour au rendez-vous. C'est vraiment rare. Mais du côté dans le cas contraire, le monsieur plus âgé tombe plus rapidement amoureux. Et c'est là on assiste à quoi? La jeune fille a toujours son à côté au cas où il va clemser, il va pas comment il passer là. Non, mais vous comprenez que dans ces cas-là, les différents cas cités, il n'y a plus d'amour du tout. Oui. C'est l'intérêt. Et c'est comme aujourd'hui, presque toutes les relations humaines. Vous savez, les vieux pères, ils aiment bien. C'est-à-dire, eux, ils donnent le cœur, mais c'est la jeune fille qui. Même le vieux père, quand vous parlez du vieux père, le vieux père, il sait ce qu'il cherche. C'est pas toujours l'amour. Il sait que, bon, il y a une chair qui est un peu plus fraîche ici, qui va lui apporter un peu plus d'attention. Et si elle est suffisamment responsable ou si elle est mature, elle va pas l'emmerder s'il fisse. Les barrières, les codes à respecter dans la relation. Chacun respecte ses limites et puis il est tranquille dans son coin. C'est beaucoup mieux pour lui que d'aller tourner avec une petite fille pas mature qui vient à peine de sortir de l'adolescence et qui va se mettre à lui faire des crises à n'en point finir. Donc, d'une manière ou d'une autre, quand on se retrouve dans des situations telles qu'évoquées, moi je pense que c'est beaucoup plus des questions d'intérêt. Soit je suis avec elle parce que bon, il y a un peu plus de tranquillité et puis bon, le jeton vient attend et ça va. La sécurité est garantie. C'est vrai qu'au-delà de l'aspect abordé, c'est-à-dire l'espoir d'une vie meilleure, c'est-à-dire la sécurité financière dont ils ont tous parlé avant moi, il y a quand même des cas où l'amour est et il est réellement. Là, les deux sens. Parce que parce que la jeune dame ayant déjà vécu certaines expériences de vie avec des gens de son âge, tombe sur un homme de certain âge qui lui montre d'autres manières de vivre la vie. C'est le jeune de 32 ans, quand il vient, c'est tcha-tcha-tcha, et puis il évolue. Le vieux de cet âge-là, il porte tout le temps pour disséquer l'animal, pour
Un travail de laboratoire. Un travail de, voilà. Une précision chirurgicale. Avec précision. Et vous voyez, de sorte que l'accouchement n'est pas difficile. Une dame comme ça va aimer le monsieur. Donc, il fait bien. Il a tout son temps. Depuis Paracos. Ah d'accord, ça se passe bien là-bas? Oui, ça se passe très bien. D'accord, vous êtes en direct. Ok, et j'aimerais intervenir sur l'émission. Et je pense que, pour ma part, quand c'est avec la, c'est la femme qui est moins âgée, ça ne pose pas trop de problèmes. Mm-hmm. C'est le cas contraire qui est un peu mal vu. Et pour, j'ai une petite expérience à partager avec vous. Moi, je suis connu une fille. Et à bas âge, elle a toujours dit qu'elle veut se marier avec un homme beaucoup plus âgé qu'elle. Mmh. Et sur son parcours, elle n'est jamais sortie avec un jeune. Mmh. Soit la différence d'âge avec les hommes, elle a fréquenté ses minimum 7 ans. Mmh. Et finalement, elle s'est mariée avec un homme qui la dépasse avec beaucoup d'âge. Et elle est heureuse. Elle aime tellement le gars. Donc, je pense que si les femmes, c'est. On ne peut pas comprendre ce qui se passe dans leur tête. Vous voyez, les femmes, naturellement, elles n'aiment pas les jeunes. Il faut que l'homme soit beaucoup plus âgé. Mm. Mais c'est quand l'homme femme, une femme beaucoup plus âgée, c'est qu'il y a un intérêt en jeu. Il y a quelque chose qui est là, qui est en train de poursuivre, à coup sûr. C'est ça. Voilà. Mm. Sinon, bon, c'est pas mal, ça peut trouver son intérêt. Mm. Et si tout le monde est heureux, bon, ce qu'il fait, c'est le plus important. C'est ça. Monsieur Rodrigo Lou, oui. Merci beaucoup, merci de votre appel. Bien des choses aux amis de Paracou. Oui, je On va lire quelques commentaires de téléspectateurs. C'est vrai que je vais faire la question tout à l'heure. Il y a Simba Alphonse qui dit « Je pense que chez nous, en Afrique, il serait bien d'avoir une différence d'âge de 10 ans entre l'homme et sa femme. L'un de nos enseignants de classe de 3e nous l'avait conseillé. Aujourd'hui, j'ai tiré moi-même la leçon. Cette différence garantit les rapports de respect mutuel entre les conjoints, consciencieusement ou non. L'âge joue dans le respect de l'un envers l'autre. Je me rappelle de cette camarade d'amphi qui me disait qu'elle ne peut pas aimer un homme à qui elle dépasse même d'une seconde. Est-ce possible ? Allez, téléspectateurs en ligne, bonjour. Oui, bonjour, monsieur. Comment allez-vous? Nous nous portons à merveille. Présentez-vous. Je réponds au nom de Hilaire Avoyanro de Saint-Étrapé. D'accord, monsieur Avoyanro Hilaire. Oui. Allez, vous êtes en direct. Ok, vraiment, ce sujet est un peu délicat. Hein. Allons-y. vous savez, On dit souvent que le goût est relatif. Oui. Et ce que moi j'aime maintenant, Madame Zakiat ne peut pas aimer. Mmh. C'est vrai. Vous me suivez un peu? Oui, très bien. Par rapport à ce sujet, vous savez, la femme, ça dit que Madame Zakiat m'excuse beaucoup, hein. La femme veut toujours de l'intérêt par rapport à ce côté. Mmh. Est-ce que vous me comprenez? Oui, moi je vous comprends. On vous suit. Je ne sais pas si je comprends encore bien, mais allez-y, on vous suit. Non, vous allez comprendre maintenant, ne vous en faites pas. Oui, allez-y. Vous savez, les femmes qui disent souvent qu'elles viennent avoir un homme. Et puis, elles sont matures en disant ça. Sinon, un homme âgé, il est responsable et il sait comment entretenir la femme pour que
et pour qu'elle n'en manque de rien. Donc, du coup, si par exemple, si une femme sort avec un moins âgé maintenant, c'est-à-dire les manières de réaction ne sont pas toujours les mêmes. On dit souvent que au même moment que la mentalité d'un homme, sa vie, dont je jeune. Donc, ils ont déjà un intérêt là. D'accord. Du fait qu'ils sont avec un homme âgé. Parce que un jeune maintenant, tout ce qu'il fait là, ça dit, c'est de façon brutale. D'accord. Voilà, oui. C'est de façon brutale. Donc, pour ne pas succomber à ce genre de situation, elle préfère avoir un homme qui est plus âgé. Vous voyez, elle préfère avoir Dans l'un ou l'autre des cas, vous y trouvez des intérêts hein, qui sont parfois inavoués. Naturellement. D'accord. Donc, on ne peut pas le condamner. Merci. Vous avez dit au départ que le goût est relatif. Merci, monsieur Hilaire Amoyaro, depuis Sémécraqué. Merci de votre contribution au débat. La contribution d'une de nos téléspectatrices, n'est-ce pas, que je voudrais lire par ici. C'est madame Benou, elle fut cadre au niveau de la poste, elle est désormais à la retraite. Elle dit, le cas où la femme a plus de 1 à 5 ans de plus, n'est-ce pas, il peut y avoir de l'amour vraiment sincère. Elle dit, regardez mon regard, suivez mon regard. Mais quand l'écart est trop grand, c'est souvent beaucoup plus la question de sécurité financière et autres pour le jeune homme. Mais de toutes les façons, la vie, c'est un choix et on ne peut pas toute sa vie se fier au candidat. Oui. Au candidat. Justement, j'allais vous faire la question. Est-ce qu'il y a, un âge limite qu'il ne faudrait pas dépasser? Il y a un téléspectateur tout à l'heure qui a dit qu'au-delà de 10 ans, ce n'est plus... Ça fait deux mandats présidentiels à la République du Bénin. Vous allez réagir tout à l'heure. Téléspectateur en ligne, bonjour. Bonjour, comment allez-vous? Le syndicat est là. Madame de Souris, bonjour. Bonjour, monsieur. Comment allez-vous? Madame Zakia, bonjour. Ah, cher membre éminent, honoré du syndicat. Je vous suis tous les vendredis avec plaisir. Merci. Ok, c'est pour dire que l'amour dépasse tout en fait. L'amour dépasse tout. C'est pas la femme dépasse l'homme vraiment de trop, et c'est visible que ça gêne un peu. Sinon, il y a des couples, la femme dépasse l'homme d'un an, de deux ans, la femme ne gêne pas. Mais quand l'homme dépasse la femme, et ça, et puis ils sont mariés vraiment, c'est pas, on ne parle pas des hommes de 70 ans avec les femmes de 30 ans, ça là c'est autre chose. Là, on a l'amour, ils se sont mariés. L'amour n'a pas de frontières, l'amour n'a pas de limites, l'amour n'a pas de barrières. Ça, c'est trop aveu de l'amour qui a créé ça comme ça. C'est ça. On n'a pas le choix. Peut-être que le vieux père de 70 ans, il se croit encore jeune de 30, 45 ans. Il va faire la vie aussi, on ne peut rien. Donc je vois que ça, c'est quand l'homme dépasse la femme, je trouve que c'est visible, les gens voient ça de truc là. Sinon, je pense ça. Et puis même quand l'homme dépasse la femme, quand l'homme dépasse la femme de 5 ans, 6 ans, 7 ans, même quand on le voit, on ne sait même pas que l'homme l'a dépassé, la femme est naturellement trop nue plus que l'homme. Donc je vois que l'amour. Ça n'a pas de... Ça ne voit pas... C'est qu'on ne regarde plus l'âge, quoi. Le sens, c'est qui est le trou, qui est l'autre truc, et puis ça passe. Au Bamero. Bonjour.
Mais c'est bien, oui, oui. On va évoluer avec quelques messages de téléspectateurs, des commentaires avec Christelle Poidégon à la réalisation. Il y a Alexis Attan qui dit « Différence d'âge à partir de 10 ans, c'est l'intérêt personnel ou bien mariage forcé. » Ali Charles Chérif qui dit « Bonjour, le plateau, l'amour est aveugle, dit l'adage dans notre société. Les couples avec une grande différence d'âge sont très souvent mal vus. » Et juger négativement, je pense qu'avoir un partenaire plus jeune ou plus vieux que soi n'est pas un problème, pourvu que l'un et l'autre s'aiment véritablement. Malheureusement, dans plusieurs cas, ça ne marche pas. Les gens se mettent ensemble pour l'intérêt, surtout les plus jeunes. Ils trompent les plus âgés avec les gens de catégorie d'âge. L'infidélité devient alors la règle. Ces relations viciées ne durent pas. Des réactions. Non, des réactions. Oui. En fait, c'est le point de vue. D'accord, Zakiat, oui. L'amour n'a pas d'âge. Et les goûts et les couleurs ne se discutent pas. Très on peut bien s'amouracher d'une personne qui est beaucoup plus âgée. Si vous allez regarder la réaction des autres, vous n'allez pas pouvoir faire ce que vous voulez. Je crois que le plus important, c'est d'être en paix, comme Herman l'a dit tout à l'heure, avec sa propre conscience. Mais après, il faut un peu de réalisme aussi, je crois. Parce que si la différence est trop grande, c'est des problèmes que vous cherchez comme ça. Surtout que... Quel genre de problème? Non, c'est des problèmes. C'est de part et d'autre. Vous êtes très jeune. En tant que fille, vous vous emmourachez avec un monsieur qui est déjà... qui est grand. Vous pensez peut-être vos capacités qui sont... Oui, mais quoi? Qui s'est dégrainé ces derniers jours? Vous pouvez en tomber amoureuse, mais le problème, c'est quoi? Il va rester là combien de temps? Et si entre-temps, vous tombez enceinte, comment vous gérez les enfants de cette relation? Même si financièrement, il est aisé, qu'il vous laisse l'héritage, ce n'est pas comme s'il était là et qu'il pouvait vous accompagner dans l'éducation de ses enfants. C'est pour ça que je pense que ça peut arriver de part et d'autre, mais il faut aussi prendre le temps de réfléchir un peu et d'être réaliste et ne pas se laisser aller emporter par l'amour sans penser au lendemain. Maintenant, pour le regard de la société, c'est chacun qui sait comment il peut gérer ça. Parce que si vous avez un jeune homme qui sort avec une dame qui est plus âgée, c'est comme Herman Logozo l'a dit, ça devient la marraine. les sorties en public sont très calculées. C'est pas la marraine, simplement. Lorsque vous sortez, vous savez, la dame, elle a tendance à vous caresser, à vous toucher, à dire chérie, tu es là. Mais on ne peut pas essayer. Nous voyons les jeux, on voit pas en pratique. Le jeune homme, il se sent bien. Il y a des. Vous l'accompagnez par exemple à un mariage, et vous vous installez, c'est elle qui vous chuchote des mots à l'oreille, qui vous touche. Mais le regard, les autres qui vous regardent tout de suite, ils se disent mais écoutez, ce n'est pas encore le plus grave. C'est lorsque vous êtes dans des milieux où chacun doit se présenter que ça devient compliqué. Dans ce chuchote que c'est marraine. Si je suis avec ma tante, si je suis avec ma tante, vous ne savez pas, si je suis avec ma grande soeur, ça c'est vous, votre analyse. Parce qu'avec ma grande soeur, oui, je souffle. Le moment de se présenter. Vous allez à des soirées et plutôt que de sortir avec ta femme qui est du même âge que toi, c'est-à-dire le couple raisonnable qu'on connaît, n'est-ce pas, tu es allé avec une mamie là-bas, ça devient compliqué lorsque monsieur, ah bon, Christian Adande, j'en dis, madame, je te présente Wahab Ali Para, c'est mon collègue. Oui, oui. Bon, Wahab qui est arrivé avec. Bon, Christian, bon, voilà, c'est d'elle que je te parle. Maintenant, quand c'est un papa qui vient avec une jeune fille qui a pratiquement l'âge de son enfant, les autres présentent leurs épouses. Et oui, bon, je te présente mon épouse. Maintenant, quand ça arrive à ce papa qui est venu avec. Il te dit, bon, voilà, c'est sa fille. Vous comprenez? Et puis, bon, ce qu'il a murmuré dans les narines, mais vous-même, vous ne posez pas la question, c'est la fille de qui? C'est la fille de qui? Vous encaissez ça comme ça, quoi. Et puis, ça, mais bon, voilà, c'est sa fille. C'est sa fille. On n'a rien entendu de concret, mais on comprend. Vous savez, c'est la fille. C'est dit là, c'est arrivé une fois. Et voilà, Zakiel l'a vécu. C'était à l'hôpital. Ah, très bien. Donc, le monsieur relativement plus âgé s'est retrouvé à l'hôpital, mais accompagné de sa copine, beaucoup plus jeune. Donc, quand ils sont arrivés,
c'est le monsieur qui était souffrant. Et donc, la fille l'a accompagné. Et on devait faire les soins au monsieur. On devait même le piquer, une piqûre. Et le monsieur avait terriblement peur de la piqûre. Donc, il dit, ah, faites attention, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Et les soignants qui étaient là, ils disent, il faut parler à ton papa. Là. Alors que c'était sa Comme ça, la guérison ne sera plus en début. Ça m'a choqué. Le regard de la société, vous voyez, même dans la société, les questions de papa, il y a des gens, quand vous les appelez maman, parce qu'il y en a qui font la différence entre maman. Maman et puis maman, vous voyez. Donc selon la tonalité, papa, voilà, papa, vous voyez. Merci. Ça fait que il y a de ces vendeuses, quand vous les appelez maman, selon l'intonation, en même temps, ça peut mal se passer rapidement. Et il y a des, comment dire, je veux pas stigmatiser, n'est-ce pas, des ethnies ou de certaines régions, mais vous allez voir que de plus en plus, n'est-ce pas, les Mina, qu'elle m'excuse, ont de difficultés à accepter qu'on les appelle maman ou maman, alors qu'elle est d'un certain âge, elle est peut-être parfois plus âgée que votre maman. Pour vous, ce n'est pas respect que vous l'appelez comme ça, mais elle, c'est un peu comme si vous voulez lui gâter la clientèle, vous voulez chuter, vous afficher sa vieillesse. Elle peut faire qu'on l'appelle tata, même sur toute sa tête, c'est un champ de coton, c'est bien blanc et autres. Donc, le regard de la société, parfois, ça pose problème. Mais si vous avez vos intérêts et que, bon, vous avez une force d'esprit, vous arrivez à surmonter ça facilement, et puis bon, vous vous en foutez, vous pouvez être bras dessous, hein, quelle que soit la différence d'âge. D'accord. Maintenant, la raison, Christian, c'est vrai, il faut regarder après tout, qu'est-ce que cela donne. Parce que quand il y a un enfant, le fruit de ce que vous avez appelé votre amour, même si c'est pas hypocrisie, même si c'est le vrai amour, le fruit de votre amour, c'est-à-dire l'enfant, lorsqu'il y a une grande différence d'âge, à la mort, n'est-ce pas, quand les autres frères qui sont parfois plus âgés déjà que la maman, que la jeune femme de papa, n'apporte pas l'accompagnement qu'ils font, ne font pas preuve d'humanisme, d'humanité, se dire que nous avons bénéficié de la jeunesse de papa, n'est-ce pas, qui a pu nous accompagner jusqu'à ce que nous soyons bien installés. Il nous faut, n'est-ce pas, répercuter cela sur nos jeunes, sur notre jeune frère. C'est-à-dire ce que papa aurait pu faire, nous devrons le faire en son absence. Quand ça, il n'y a pas cet accompagnement, franchement, ça devient nécrologique sur toute la ligne. Il y a Ella Aglet qui dit si je pense qu'en Afrique, le mieux est que l'homme soit plus âgé que la femme. Là, au moins, il y a le respect mutuel, mais chacun y va avec son cœur, car l'amour, quand ça nous prend vraiment, l'âge importe peu. Et on va finir avec le dernier commentaire de Sergio Gounon qui dit salut le plateau Lactu Matin. Michel Sardou n'est pas béninois, il a juste chanté selon sa pensée. Chez nous au Bénin, les deux âges ne comptent pas. Ce qui est certain, hein, pour ce qu'on a déjà observé jusque là, c'est que le jeune qui sort avec la mamie n'attend pas que la mamie lui fasse des enfants. Ça, c'est juste par intérêt. Et c'est peut-être aussi parce que la mamie aussi veut, comme l'a dit Herman, la mamie aussi veut être secouée un peu. Donc le jeune l'assume, et puis à la fin, il fait le social, et il coordonne l'action familiale. Pour le vieux père qui sort avec la jeune fille, je pense que c'est là qu'il y a un souci. Parce que si jamais une grossesse survenait, je pense que la fille, à moins qu'elle ait une source de revenus fiable, elle pourra quand même prendre en charge ses enfants. Ou alors que si le monsieur a ce qu'il faut pour assurer ses arrières, je pense que c'est jouable. Mais l'un dans l'autre, lorsque le jeune avec qui on rêve de construire sa vie, hein, sa vie en bateau, lorsque le jeune vous abandonne, vous n'allez pas demander à la femme de rester là, à se morfondre, de rester là à pleurer ou à pleurnicher. Non, il faut quand même qu'elle reconstruise sa vie, il faut qu'elle fasse sa vie. Vous n'allez pas demander à une femme d'un certain âge qui a déjà fait des expériences avec jeunes, et qui est tombée, vous n'allez pas lui demander de retourner voir encore des jeunes
qui donnent du bafio-fio. Il y a des jeunes qui sont prêts à en découdre avec la femme. Il y a des jeunes, il y a même des personnes âgées. Il y en a qui, quand ils finissent avec des femmes, c'est qu'il faut, c'est kudinada quoi. Alors même qu'on n'est pas parti sur ce principe-là. Je pense que la vie c'est compte. Maintenant, je pense à la fin, c'est ce qu'on en tire. C'est ce que vous tirez comme bénéfice, comme profit, comme bien-être. Si ça vous prend, je pense qu'il faut y aller. On va prendre le téléspectateur en ligne. Bonjour. Oui, bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Vous êtes en direct sur Canal 3 Bénin. Présentez-vous. Oui, ici, c'est monsieur Yesoufou, au Luchengon. D'accord. Vous nous appelez d'où? Je vous appelle de Port-Nouveau. Ah, d'accord. Vous êtes en direct. Ok. Bonjour, cher journaliste. Bonjour, madame. Bonjour. Oui, aujourd'hui, j'aimerais intervenir sur le sujet parce que c'est un sujet qui est très, très important, c'est préoccupant. Et j'aimerais aussi dire un mot sur ce sujet. Oui. Mais de passage, je dis bonjour à M. Alain Boussou. Merci, bonjour monsieur, il se faut. Ok. Oui, s'il vous plaît, en ce qui concerne la différence d'âge entre dans un couple, oui, c'est pas un problème, c'est pas du tout un problème parce que ça a toujours marché dans beaucoup de cas. Par exemple, moi qui est au téléphone en train de vous parler, ma maman est la petite femme de mon papa. Mmh. Et c'est même à la retraite de mon papa qui l'a pris en mariage. Mmh. Oui, mais ma maman a eu 4 enfants. Avec mon papa. C'est ça. Et dites-vous que tous nos prédécesseurs, nos grands frères et nos grandes sœurs n'ont même pas eu la chance de fréquenter et de mener une vie normale. Comme cela, entre griffes, je dis, c'est pas une vie normale, mais ils n'ont pas, sur le plan scolaire, ils n'ont pas su quand même évoluer comme cela se doit. Dites-vous que c'est les 4 derniers qui sont venus, qui ont très bien évolué, parce que parmi nous, il y a un magistrat, il y a l'autre qui est un pharmacien, mais en quelque sorte, c'est les 4 derniers qui ont réussi jusqu'à présent. Notre papa est encore en vie, et notre maman, elle est encore là. C'est pour vous dire quoi? Et il y a aussi le destin et comment chacun perçoit le sujet. Mais si moi, entre mon père et ma mère, j'ai toujours senti cet amour. Et c'est pas du tout matérialiste. Parce que ma maman est une grande commerçante. Et elle n'arrête jamais de nous dire qu'elle a déjà sa maison, elle a déjà, parce que c'est une musulmane, c'est une Aladia, c'est une très jeune Aladia qui vend des pièces détachées. Ça veut dire qu'elle est déjà très bien équilibrée financièrement avant de tomber sur ce dernier. Donc il n'y a pas d'intérêt. Parce que elle nous racontait la dernière fois qu'elle n'a jamais eu la chance qu'un jeune de son âge se rapproche même d'elle pour la faire court quand elle était jeune. Et elle a refusé, elle résistait, mais on l'a plusieurs fois dit que tu n'auras pas tel. C'est tel que toi tu peux avoir dans ta vie. Un polygame de quelqu'un qui est déjà âgé. Il y a beaucoup de paramètres. C'est ça. C'est que nous n'allons pas nous faire. Vous permettez une question? Oui. Quelle est la différence d'âge entre eux? Entre eux, vous dites? Oui, entre votre papa et votre maman. Ah, au minimum, ça doit aller à travailler. Mon papa aujourd'hui fait déjà son 99e année. Wow. Oui, et ma maman, c'est quand quelques bien rentré, quelques-là. Alors qu'il y a une quarantaine. Une quarantaine. Ma maman est déjà à 58 ans, parce qu'on a fêté 59 ans. Donc, au bas, mot 40 ans. Et mon papa, jusqu'à présent, mon papa est encore debout. C'est ça aussi l'organisme. Oui, pas madame. Allez, si vous voulez, laissez votre numéro à la régie pour qu'on puisse faire un reportage sur vos parents, pourquoi pas. Ça ne me gêne pas. Peut-être que je vais discuter avec le vieux roi parce qu'il est un commandant à la retraite. C'est ça. Il a fait la gendarmerie. Tiens, Birou Latomé. S'il vous plaît, ne raccrochez pas tout de suite. Laissez votre numéro à la régie. On va vous prendre le contact avec. Tiens, Birou Latomé. Allez, c'est bien gentil pour ce témoignage, monsieur Yesoufou. Merci beaucoup pour ce témoignage. Bien des choses à prépare. Vous nous direz que nous l'aimons bien, qu'on passera le voir.
Ok, merci. Allez. Il y a de ces papas qui ont vraiment. Ça, c'est des papas qui ont vécu. Oui. Ah, il a vécu. Ils ont dû vivre. Il n'a pas vécu une vie. Hein. Plusieurs fois, tu es habillé, c'est ce que ça donne. Je pense que non, je pense que c'est un exemple. Vous voyez que. Allez, ça, monsieur, je pense que vous ne m'avez pas dit. On a un exemple là, typique, la différence, ça fait pratiquement 40 ans d'âge. Vous, dans la normale, ou bien dans la normalité des choses, vous voulez combien? Non, moi je n'ai pas, je n'ai pas prescrit oui. un âge donné. La preuve, c'est que quel que soit les cas que vous donnez, vous verrez que le résultat n'est pas toujours mauvais. Moi, je suis dans le cas. Moi, ma grande soeur, l'aînée de mon papa est de 1947. C'est l'âge du papa de certains de mes collègues ici. Elle est encore vivante. Elle tient bien. Celui qui le suit est de 1950. Bon, la suite, ne demandez plus. Mais on se porte bien quand même. Donc, ce n'est pas toujours, le résultat n'est pas toujours mauvais. Pour nous qui sommes venus derniers, par exemple, bon, on ne la mine pas pour autant. On se débrouille chacun à sa manière. C'est puisque ça. Moi-même, ma maman est de, comment dire, de la petite femme, la dernière femme de papa qui l'a prise, n'est-ce pas? Papa a déjà fait valoir ses droits à la retraite. Donc, les questions d'intérêt, telles qu'on le dit, n'est-ce pas, ce ne sont pas toujours les questions d'intérêt qui guident. Et le résultat final n'est pas aussi désagréable tel qu'on le pense. Ça ne veut pas dire que sur toute la ligne, ça a été un paradis pour les deux parties et autres. Parce qu'il faut comprendre que dans un couple, que ce soit quand il y a un qui n'est pas, je dirais, dans de bonnes grâces, ne respire pas les frères et autres, le second aussi n'est pas totalement à l'aise. Il est sur pied de guerre, il a toujours dans ses oreilles les récriminations, les coups de gueule et autres. Pour moi, l'âge n'a pas d'importance. Vous pouvez être plus âgé que votre épouse et elle va vous dominer en termes de respect. Comme vous pouvez être moins âgé qu'elle et inspirer respect. Tout dépend de comment vous arrivez à conduire votre foyer. Pour moi, le respect dans le couple n'est pas lié à l'âge. Non, pas du tout. Très bien. Je peux être moins âgé que vous, et si vous me voyez, c'est pas bon. C'est garde à vous. On va prendre le dernier intervenant de ce matin. Allez, bonjour. 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 Oui, bonjour, monsieur. Oui, comment vous allez? Nous nous portons bien. Présentez-vous. C'est monsieur Célestin Auré. Monsieur Célestin. Oui, Auré. D'accord, vous nous appelez d'où? J'appelle de Cotonou. D'accord, vous êtes en direct. Oui. Allez-y, on vous écoute. Ok. C'est que je peux intervenir par rapport à votre émission. Oui. Et pour aborder dans le même temps que le monsieur qui vient d'intervenir tout à l'heure. Oui, monsieur Youssoufou. Où la différence d'âge était importante. Oui. C'est pour vous dire que dans l'amour, il n'y a pas de différence d'âge. Hein? Et ça dépend de ce que le destin vous décrit, vous avez compris? Oui. Parce que si on doit mettre de différence entre l'âge là, tout le monde ne se marierait pas. Bon, c'est mon approche. Hein? C'est ça. D'accord. Merci beaucoup, monsieur Auré. Oui. Ça fait plaisir hein, de vous avoir. Vous nous reviendrez prochainement. Bonne journée. Merci. Zakiat. Je pense que l'avant-dernier intervenant, c'est un exemple très illustratif de ce qu'on dit ce matin. Oui. Et ce qu'il y a à retenir, c'est qu'il n'y a pas de limite, quoi. Il n'y a pas vraiment de limite. Après, bon, chacun est laissé à sa conscience. Si ça vous prend et que vous pensez que ça vaut le coup, avançons seulement. Herman Logos. Oui, bon, j'aborde dans le même sens que Zakiat, parce que Popo dit que le morceau de Michel Sardou prend tout son sens avec l'avant-dernier intervenant. Donc, l'amour n'a pas d'âge. Si chacun y trouve son compte, ben voilà quoi. Évoluons. D'accord. Nous allons marquer une pause avec vous. Avec vous, Herman Logozo. Et on va poursuivre notre discussion avec lui maintenant. D'accord. Oui. Ah. Il est maintenant l'invité. Mais non, zing, bon, les zing, mon accord qui est là, il faut d'où. Et pour la couleur aussi. T'as le spam! Sans reclamer ton meilleur, bon, ma bon. À quoi on a tel au yard, mais on a tous les ombres, et bah, mon maouille, Y'en a non, mon caca, y'a de la gueule, mon débrouille, la chaîne, y'a de la cité, ouais, mais. Aïe, l'en homme, on n'a pas de le barbeau. Mais non, vous devez mettre mon cœur dans le savon. Mais t'as une crédit, pédonne, mon yard, mon roi, que tu as si tu as maouille dans la souris.
me mali do ale piwe don ko sawe ano mo elo moto me mo pon epo bi ojiwe bees woni woni mi no blow level let it clicha elo jo nu para para die me akoba so de blow by dalo me de sinu na jo jo na senga e kalo me de le kai si mi go khlemi ale obo yan me de to bi se se kwa lo repondo ji afa ku so ye bien no balo come e do fasi wali la bisu mi fo bolu kan wa we cho ba nu de ma Globi, Philabicien. Allez, c'est un sujet d'actualité. C'est même c'est membre de famille chez beaucoup de personnes. Quand aujourd'hui on vous salue, il y en a qui veulent et la galère. Comme si c'est un parent ou un grand frère ou un frère. Non, comment vous allez? Mon frère, et la galère. Comment tu gères le quotidien? Voilà, comme si c'était un parent à toi ou un voisin dont on veut prendre. Allez, Herman Legozo, vous êtes artiste, chanteur, auteur, compositeur. Nous sommes avec vous ce matin. Vous faites dans du rap, le hip-hop. Ça a commencé votre aventure hein, depuis les années 90, si je ne me trompe. Oui, oui, oui. J'étais encore au cours primaire quand ça a commencé. Et c'était sur une question de concours. On était parti sur cette base. Je me suis retrouvé avec les autres. Waouh, ben, est-ce qu'il y a des rappeurs comme ça? Je m'étais dit que et je ne pouvais pas. Ben, j'avais eu la chance de rencontrer certaines personnes, en l'occurrence Kouskesi Montia, oui, qui en jetait bien en ce temps. Et il y a Kanjo Kyo qui avait ce charisme. Donc quand j'étais venu, je me sentais tout rikiki. Ça m'a donné envie de faire quelque chose. On a continué l'aventure et voilà, aujourd'hui il faut le gozo. Comme on dit, et nul n'est heureux tout seul. Et c'est en s'unissant qu'on arrive à faire quelque chose de bien. Donc je pense que le parcours, peut-être il n'est pas aussi élogieux, la fin n'est pas aussi reluisante, mais quand même j'ai acquis beaucoup de choses de pas cette expérience. Alors vous êtes parti hein, avec le groupe RDS Pussy, on a vu les merveilles hein, que vous avez réalisées pour nous. C'est un réponse de feu, de la vie. Lui, il peut faire la paix au fond. Parce que le temps est passé, justement. Bien, le temps est passé. Oui. Et en même temps, ce temps-là est passé et on ne vous a plus vu. Vous avez un temps, vous avez été aussi absent de la scène. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez quelque peu disparu. Mais vous savez, chaque jour avec son train-train de problèmes, et on fait avec. Chaque jour avec sa galère. Sa galère. On revient toujours au nom commun, un nom commun de personne. Chaque jour avec sa galère. Mais j'ai traversé des moments difficiles. Et le tout, c'est de pouvoir se relever. Et se relever la tête haute. Et heureusement que j'avais autour de moi des personnes qui avaient de très bons souvenirs de moi. Et qui voulaient coûte que coûte et me relever et, en me conseillant, en m'amenant à pouvoir poser les bons actes qu'il faut. Aujourd'hui, je ne dis pas que je suis meilleur, mais je pense que ça va beaucoup mieux par rapport, si on doit faire un petit retour il y a 5 ans et autres, mais ça va beaucoup mieux. Alors, comment vous avez vécu cela avec les amis et les parents lorsque vous avez décidé d'ajouter à Herman, n'est-ce pas, Logozo? On sait ce que cela signifie. Est-ce que c'était facile pour un parent enfant, n'est-ce pas, de voir son enfant qui s'appelle Logozo? Logozo, ça veut dire la tortue. La tortue est synonyme de sagesse. Et je pense que dans notre culture, celui qui porte ce nom, ça veut dire que la carapace protège cette personne. Je ne l'ai pas adopté, on me l'a imposé. C'est qui le haut? C'est Jean-Marcus Nanda, Digmaton. Donc, c'était au studio de André Quenon. Et l'aventure a commencé là-bas d'ailleurs. Et un jour, on était en studio. Et il a sorti le mot. Il a dit, mais toi, tu es toujours calme, tu es toujours lent dans tes trucs là. On va t'appeler Faux le Roseau. Et j'étais en train d'écrire un test, on devait poser un son. Et automatiquement, j'ai pris ça meilleur nous de Faux le Roseau. Donc petit à petit, ça a commencé par prendre. Et on était dans une période où tout le monde voulait un nom.
original pour pouvoir, tous les artistes devaient avoir un nom pour pouvoir un pseudo, voilà, c'était ça. Donc c'est comme ça, Fouloudou. Bon, et à la maison, ça faisait rire surtout ma maman. Et alors, l'homme qui transporte sa carapace, sa maison. Allez, l'aventure avec RDSP aussi, ça s'est arrêté puisque vous avez continué en carrière solo. Vous avez un très bel album que j'aime bien. C'est dans cet album qu'il y a ce morceau AK. Ça s'est arrêté. Définitivement, RDSP aussi, c'est mort. Oui, pour le moment, c'est mort. Actuellement, déjà, bon, les autres, la plupart, bon, je suis le seul sur le territoire national actuellement. Et tout le reste est à l'extérieur. Et comme je l'ai dit, c'est une belle aventure. Mais quand, et aussi, il ne faut pas oublier que même dans un nid, les oisillons, il arrive un moment où chacun d'eux prend son envol. Je pense que chacun de nous a pris son envol. L'aventure a été belle. Nous avons marqué la musique urbaine béninoise. Et je pense que la crème de tous ceux que nous voyons aujourd'hui sont issus des événements que ADS Production organisait en ce moment. Et beaucoup aussi qui sont dans la production audiovisuelle et autres, ils sont issus des formations que nous avons eu à faire au CCF en l'occurrence. Donc c'était une très belle aventure. Mais comme on dit, si c'est à refaire, je le referai. Oui. Peut-être pas les dernières phases, mais si c'est à refaire, je le referai avec plaisir. Justement, est-ce que ça vous arrive de vous interroger sur la vie des grands groupes musicaux que nous avons connus chez nous? On a connu RDSP aussi, on a connu Afafa, on a connu plein de groupes, mais à un moment donné, bon, chacun a pris son chemin. Oui, et tout est une question de tempérament. Et il y a aussi quelque chose, le succès, et tout le monde n'arrive vraiment pas à le gérer comme il se doit. Il y a des gens dont les égos sont surdimensionnés. Mais il y a toujours dans les groupes quelqu'un de très posé qui arrive à canaliser les ardeurs. Et c'est ce qui se passait aussi avec nous. Mais à un moment, comme on dit, quand ça déborde, et vous devez prendre ça comme ça et assumer, comme on dit, et les conséquences de vos actes. Ce n'est pas aussi bien, ce n'est pas que quand c'était difficile que ça s'est passé, mais c'est quand ça devenait meilleur que ça s'est passé. Mais on prend comme ça, c'est-à-dire que c'est la vie, love goes on. D'accord, on va suivre le second titre que nous avons sélectionné pour nos téléspectateurs ce matin. Et on reviendra en plateau pour une certaine conclusion. Si vous avez d'autres questions à nous poser, vous le savez. Comment tu vas? Allô, Fofo? Ça va très bien, merci, mais mon momo. Fofo, où est-ce que tu vas? Fofo, où est-ce que Fofo, tu es mignon. Akoba, je ne suis pas ton mère, je ne suis pas ton frère, ni ton ami, ni ton cousin. Y'a pas de manchon dans ma famille. S'il te plaît, arrête-toi ton affaire. Oh Angelina, pourquoi tu mets ce petit vélo? Oh Angelina, je n'aime pas ce que tu fais là. Jackasson et Gansier, l'Ojiji moi j'ai n'a ouais tiens à mon pari. Festival de gars, c'est le lebim car bonbon. iPhone, chigan, le lebim car hobo. Le lebim bread, tu es le yamido fofo. Maki, c'est le poli, le robot, mi bofo. Fofo, t'es fofo, ne. T'es le job au jodo. Undobole, le lebim, do jobe à son robot. Angelina Gabo, à la roumia. O maï, t'en veux vie, à la roumia. Fofo, t'es kawa, à la roumia. Mika, de mon da yame, à la roumia. N'a ouais vie, babo, à la roumia. Et t'es kawa, ouais. Agadou après t'es bon à Hawaii. Araoumia. Oh, pendant ma vie. Je ne suis pas ton frère, je ne suis pas ton frère, ni ton ami, ni ton cousin. Y'a pas de manchelon dans ma famille. S'il te plaît, arrête-toi ton affaire. Oh Angelina, pourquoi tu mets ce petit vélo? Oh Angelina, je n'aime pas ce que tu fais là. La 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 la. Fermi ta ou Angelina, ben aussi qui est. A ou yama te ou arigan, y'a qu'on me vit. Angelina, la canne ou poire de cabo fofo. Azaya tomba. Dueling dodo, Mbazi Bobako, Trolling Digo, Chimakulo, your level Ben ou Kiko. Vous êtes en train de dénoncer là. Rapidement pour ceux là qui ne comprennent pas. Et comment dire, dans le jargon des jeunes, ils appellent ça friendzone quelqu'un. Et tu dépends sur la personne, mais quand il s'agit de conclure, tu deviens automatiquement foufou, tonton et autres. C'est très courant aujourd'hui. Donc on prend ton momo, mais quand il s'agit de pouvoir jouer du momo, il y a toujours des contournements. Il vous est arrivé d'appeler des gens foufou? Ah, et puis on dit, roula, c'est quand vous n'avez pas qu'on vous drague là, vous appelez. Ça dépend de la chose, je ne suis pas foufou. Quand le vent
vient d'avoir une contrepartie de ce que j'ai donné à un moment, on me dit, en fait, il y a aucun respect là. C'était on nous envoie coucou, chérie, s'il te plaît, tant. Et tu envoies Momo. Et le remerciement maintenant, c'est merci pour vous passer le respect. Non, c'est pas toujours lié au Momo. Ce n'est pas déjà les rapports. On sent que c'est une barrière. Vous mettez, je ne sais pas, un bouclier. Vous pouvez même avoir reçu de Momo pour respecter la personne en disant Fofo, mais parce que lui sait qu'il va arriver là, il commence à dire Fofo là, faut mettre de côté quoi. Oui, c'est vrai qu'on le connaît, c'est Herman Logoso. Peut-être qu'il a quelque chose à dire d'abord. Non. C'est Logoso, faux Logoso, mais c'est d'abord qu'un homme. Oui, c'est qu'un homme. J'ai envie de demander si entre les qu'un homme et la musique, s'il n'y a pas carrément une histoire d'amour. Parce qu'avant vous, il y a eu d'autres qui. Beaucoup. Même mon père était choriste, ma mère choriste. Wow. Mon grand frère, et si vous connaissez Dagoti, promotion oui, Dagoti. Oui, mon grand frère, quand j'étais enfant, il amenait les cassaves. Tout le monde à la maison. Il était dans l'organisation souvent des événements. Perd son âme, il est décédé. Et comment dire, j'ai plein de cousins qui chantent. Et j'ai un neveu d'à peine 2 ans aussi. Tous les matins, il vous fredonne quelque chose. Ah, oui. Il a ses morceaux préférés qu'il vous chante. Selon son jargon, il vous chante de ses morceaux. Donc, voilà quoi. Comme on dit, je ne sais pas si c'est ancré dans la famille, mais je suis né, j'ai vu, et bon, disons, j'ai continué. Voilà. Magnifique. Et le rap enfant, c'est bien facile pour vous. Hein? Au Bénin, vous êtes l'un des meilleurs, pour ne pas dire le meilleur. Hein? Bon, et humblement, et c'est vrai qu'il y a d'autres qui ont plus de visibilité aujourd'hui, mais je pense que j'ai donné le temps. J'ai donné envie aux gens de pouvoir faire, de redorer le blason du rap béninois. Avant, c'était le Wolof. Mais je pense qu'à un moment, dans la sous-région, le rap enfant avait sa place. Oui. Donc, voilà. Aujourd'hui, c'est un peu la variété a beaucoup plus pris le pas. Et peut-être avec le temps, ça va encore revenir. Parce que comme on dit, ça demeure toujours la musique qui vend le plus dans le monde. Donc, vous lâchez pas peut-être avec des artistes comme Awadi, par exemple. Mais c'est un grand frère. Je pense que si je prends mon téléphone aujourd'hui, je dis grand frère, j'ai besoin de toi. Ok, Mano, on fait comment? Je suis libre à telle période. Il va rentrer dans l'avion. C'est quelqu'un qui se sent beaucoup plus béninois que sénégalais. Et chaque fois qu'il est venu ici, j'ai voulu lui octroyer un véhicule pour ses déplacements. Et Didier prend toujours Fofo Didier, si je peux dire, prend toujours le Zim avec moi. Non, on va prendre le Zim ensemble. Donc, c'est quelqu'un, il a tout vu. Je pense qu'il est au sommet actuellement. Mais il est d'une humilité. Voilà. Légendaire. D'une humilité logosotique. D'une sagesse destructive. Allez, des projets, et on va finir avec ça. Des projets. Des projets, c'est vrai qu'il y a eu un stand-by, donc je pense qu'il faut raviver la flamme. Mais je suis plus dans la promotion des jeunes, dans la formation des jeunes et autres actuellement, et essayer de léguer le peu que j'ai aux jeunes. Et aussi, la dernière fois, j'étais déjà à Porte-Novo, après à Paraco, à Bomé aussi. Donc, essayer de pouvoir fédérer toutes les forces pour donner quand même un aspect meilleur à notre musique, parce que sincèrement, il faut le dire, c'est vrai que ça brille de partout, mais ce n'est que feu de paille. Il faut que nous ayons encore notre mot à dire dans la sous-région, tout au moins, parce que le Bénin est absent culturellement. D'accord. Les jeunes le béninois qui chantent, qui vous émerveillent Il y a Chris Barr, il y a Vano, et de rien à ce qu'il est aujourd'hui, il est vraiment félicité. Je pense qu'il est le chouchou du moment. Et Fatih, c'est ma préférée. Coucou Fatih. Bon, je ne parlerai pas de Zenab, elle est passée presque ma génération. Et qui encore, j'en ai beaucoup sur le coup. Ils sont nombreux, ils sont nombreux, mais il y en a beaucoup que j'apprécie. D'autres que j'ai vus à Paracou, mais je ne me rappelle plus de leur nom. Donc voilà quoi. Mais je pense que nous avons de la matière et le tout, c'est la promotion. Et que les artistes aussi quittent laissent cette manie d'être toujours en quémandeur. Il faut que nous. J'entends le nom des gens. Oui. Que nous puissions nous dire que c'est un métier à part entière. Et donc, si on embrasse ce métier, c'est à nous maintenant de valoriser et de nous faire respecter. D'accord. Oui, merci. Après c'est vrai qu'il fait actuellement du rap en fond, dans nos langues, pour ainsi dire. Mais c'est comment il fait pour que après ça puisse rester? Parce qu'on a connu le cas de Soyoyo, qui aujourd'hui.
Non, je pense que c'est pérennisé déjà, puisque il y a la nouvelle génération qui chante ou bien rap exclusivement en fond. Donc je pense que j'ai pu laisser ma touche et que ça se perpétue déjà. D'accord. Voilà. Merci beaucoup. C'est à moi de vous remercier. Quel homme, oui. Polo Gozo, merci bien. Zakiat Latouji, merci. Wahab Ali Kara, Herman Adiomoussou, les deux Herman, je vous renvoie à vos offices. Allez, vous restez avec nous, mesdames et messieurs. Merci, papa. Le point de l'actualité, c'est la revue de presse. Merci, papa. Bonjour à toutes et à tous. Dans leur parution ce matin, les journaux nous rendent compte du tirage au sort des aspirants aux fonctions techniques et administratives dans les mairies. Tirage au sort effectué hier jeudi à Cotonou. Décentralisation. Voici les 77 secrétaires exécutifs des mairies, titre Nord-Sud de Quotidien, qui dresse dans ses colonnes la liste des heureux élus. Dans cette liste des 77 secrétaires exécutifs, le quotidien Le Matinal voit que 34% de femmes ont été retenues. Le journal Le Potentiel se montre encore plus précis concernant les chiffres. Recrutement au poste de secrétaire exécutif dans les mairies. 26 femmes et 51 hommes tirés au sort, peut-on lire à la 2-1 du journal. Pour le quotidien Fraternité, la sélection de ces hommes et femmes est l'aboutissement d'un processus couronné de transparence. Un processus qui, en croit le journal, aura duré environ 3 mois avec plusieurs étapes. Un exercice fait pour répondre aux exigences de la loi 2021-14 du 20 décembre 2021 portant code de l'administration territoriale en République du Bénin, ajoute la publication. Selon le quotidien Le Matinal, ces cadres sélectionnés ont 48 heures pour se décider. De toutes les façons, les enquêtes de moralité démarrent ce vendredi, ajoute mon confrère. Les secrétaires exécutifs des mairies étant connus, le quotidien La Nation nous renseigne que l'identité des aspirants aux 6 autres fonctions administratives et techniques sera connue ultérieurement. La réforme sur la nomination des secrétaires exécutifs des mairies devient ainsi une réalité, semble se réjouir les journaux dans leur majorité. Pour les publications, la mise en œuvre de cette réforme sur la décentralisation vient sonner la fin de 2 décennies d'échecs dans la gestion des collectivités locales au Bénin. Un échec qui, selon mes confrères, puise ses racines dans une gestion budgétaire approximative et une fiscalité locale peu adaptée aux exigences et enjeux de la décentralisation. Et cette nouvelle loi apporte une lueur d'espoir, concluent les journaux parus ce matin. Parlant d'échec du mode de gestion dans la décentralisation, une partie de la presse nous informe d'un exemple ce matin. Il s'agit, selon mes confrères, d'un cas de malversation autour de l'argent mobilisé pour faire face à la gestion de la crise sanitaire liée à la Covid-19. Et cela s'est passé à la commune d'Adjaouéré, dans le département du Plateau. Détournement de fonds Covid-19 à Adjaouéré, 2 agents de santé mis aux arrêts, informe le quotidien Le Matinal. En plus des agents de santé, élus communaux et cadres à divers niveaux ont été interpellés et gardés à vue, ajoute le journal Le Potentiel. En politique, le quotidien Matin Libre nous emmène aux nouvelles. En politique, le quotidien Matin Libre nous emmène aux nouvelles du député de l'UNIS Kogbelevi. Analysant les faits et gestes de l'élu Union Progressiste de la 15e circonscription électorale, mon confrère semble avoir du mal à connaître sa position sur l'échiquier politique national. Du coup, le député Kogbelevi lâche-t-il la rupture, s'interroge Matin Libre. Plus loin, le journal nous apprend que l'homme va faire une déclaration politique ce vendredi. Pour mettre un terme à ce tour d'horizon de l'actualité, un drame. Il s'agit d'un agent de la police républicaine qui a tenté de tuer son bébé, informe le journal Le Potentiel. Et selon la publication, le policier en service à Plahoué dans le département du Koufo a profité de l'absence de la mère de son enfant, une maîtresse à lui, pour introduire de l'acide dans la bouche de l'enfant. Le produit s'est renversé sur sa main et sur les vêtements du bébé de 11 jours, rapporte le journal. Et ce sont les cris du bébé qui ont alerté le voisinage et le crime a été découvert. La victime a été transférée aussitôt à l'hôpital Gohomé à Plahoué, où il est actuellement en soins intensifs, ajoute la publication. L'auteur du crime, lui, est mis aux arrêts. Le journal rapporte que la maman du bébé, déjà mère de jumeaux, cherchait désespérément d'enfants avant de tomber enceinte du policier qui vit avec une femme et des enfants. Et c'est l'essentiel à retenir ce matin de l'actualité, vu et commenté par les journaux. Merci de m'avoir suivi et bon début de week-end à toutes et à tous.
Et voilà, c'était la revue de presse sur Actu Matin. Actu Matin qui prend fin à partir de cet instant. Merci à chacun et à tous de votre attention. C'est déjà le jeune musulman. Hein. Bon mois de carême à toute la communauté musulmane. Excellent week-end à chacun et à tous. Portez-vous bien, gardez le sourire. Au revoir.